Bienvenue ici pour maintenant, vous en avez pris l'habitude évidemment, cette retransmission en live sur YouTube pour ce match. Et quel match, un match de gala pour bien démarrer cette année 2021. On va commencer par le début évidemment. Vous souhaitez une excellente année 2021, pleine de bonnes résolutions, pleine de santé surtout, je pense que c'est ça le plus important. Avant d'aller plus loin, il me faut évidemment, car c'est important, eh bien vous présenter celle et celui qui sera aux commentaires cet après-midi et cette soirée ici au Palais des Sports de Latte pour ce match donc de gala qui verra s'opposer vos gazelles, les gazelles à l'équipe de l'ASVEL. On va saluer évidemment, on va commencer par celle qui était déjà avec nous la dernière fois. Je veux bien sûr parler de Marie. Bonjour Marie, j'espère que vous allez bien. Très heureux en tout cas de vous retrouver à nouveau ici aujourd'hui avec nous donc pour ce nouveau commentaire. Marie Vincent, merci infiniment d'être avec nous. Avec plaisir. Bonne année également. Et puis alors, apparemment, la dernière fois, on a dû trouver que je vous ai dit trop de bêtises, que j'ai essayé trop de vous déconcentrer. En tout cas, on aura l'immense plaisir également de pouvoir écouter pour ces commentaires Gabriel Panteljouf. Bonjour Gabriel. Bonjour, bonne vous année. Vous êtes une sommité S-Basket, notamment vous occupez du site internet B-Basket, qui donc donne un bon nombre d'informations sur le basket féminin. On aura le plaisir de vous retrouver. Évidemment, vous intervenez quand vous le souhaitez durant cette présentation. Début du match, dans maintenant moins de 13 minutes. Vous en avez l'habitude. Nous allons pouvoir vous présenter évidemment le match d'ici quelques instants. On va notamment pouvoir regarder quelles sont les équipes qui seront les joueuses notamment qui seront présentes sur ce match. Regardez, on va déjà commencer par regarder, et j'en appelle à Marvin de 100% Prod qui réalise cette émission. On va commencer par regarder le classement. Le classement actuel, alors évidemment, Gabriel, Marie, vous ne me direz pas le contraire, c'est un classement qui finalement ne veut pas dire grand-chose. Des matchs en retard, c'est une saison qui de toute façon est particulière. Mais c'est intéressant en tout cas de regarder ce classement aujourd'hui à date où on retrouve Bourges qui, je crois, vient de remporter son match. Gabriel, vous me dites si je me trompe, un match qui vient de se dérouler à l'instant. 66-61, victoire sur le parquet de Basketland, donc elles sont seules première de la LFB. Voilà, elles viennent renforcer donc cette première place. Nous avons Basketland qui se situe juste derrière Charleville-Mézières. Nos candidates, en tout cas à la victoire ce soir, Lyon, qui pour l'instant se situe quatrième. Et vous remarquez donc huitième avec malgré tout quelques matchs de retard évidemment pour le basket Latte Montpellier. Marie, Gabriel, un premier avis comme ça, on aura l'occasion d'y revenir. Lorsque l'on revient d'une période d'arrêt, puisqu'il y a eu les fêtes, dans une compétition telle que celle-ci, évidemment, dans quel état d'esprit sont les filles actuellement sur le parquet pour leur premier match de 2021 ? Ah bah, c'est sûr qu'elles auront envie de bien faire et de prouver qu'elles sont toujours présentes. C'est vrai que ça fait une grosse coupure, même si les entraînements ont repris. Les entraînements à l'image, ce n'est pas du tout le même rythme. Donc là, je pense qu'elles auront à cœur de se mettre dans le rythme tout de suite et de montrer ce dont elles sont capables sur vraiment la grosse affiche de cette journée.
Regardez le face-à-face également que nous avons sur les écrans de la réalisation de Marvin Ponty de 100% Prod. Ce face-à-face, donc, vous le voyez, avec un peu plus, un match de plus seulement joué pour l'équipe de l'ASVEL. 7 matchs de joués pour l'équipe de l'ASVEL, 6 seulement pour l'équipe du Belema. Seulement 6 matchs dans ce championnat, ça a l'air absolument hallucinant. En tout cas, sur ces chiffres que vous voyez sur les écrans, eh bien, sur le nombre de points marqués, en tout cas, l'ASVEL, on le voit, est largement en tête. Marie, on l'a vu lors de notre dernier match, une des grandes difficultés, une des grandes faiblesses du Belema, ça reste en tout cas la défense. On le voit en tout cas ici sur tes chiffres. Oui, le nombre de points encaissés qui est de plus de 74 par match, c'est énorme. D'autant plus quand on a autant de joueuses qui tournent au niveau offensif, c'est compliqué d'arriver à avoir des gros scorings. Donc moins on encaisse, plus on a de chance de remporter le match. Et là, c'est vrai qu'on le voit, hein, 74 points encaissés pour l'AT, alors que l'ASVEL en encaisse moins de 69. Ça fera la différence, avec notamment aussi le rebond qui avait été un peu le point faible des Latoises lors de la dernière rencontre qu'on avait commentée contre La Roche. Alors, on peut le voir également, et ça va être l'occasion de voir la prochaine animation qui va nous être présentée avec évidemment les joueuses à suivre dans moins de 10 minutes maintenant, début de ce coup d'envoi. Les joueuses à suivre, donc on va commencer évidemment par l'équipe du Belema avec l'irremplaçable, en tout cas la très étonnante, peut-être pas, Julie Allemand, qui malgré tout, durant cette période un peu particulière, fait une saison, et en tout cas c'est être là quand il faut être décisif, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, elle a été recrutée pour tenir un rôle majeur dans cette équipe. Elle cherchait des responsabilités qu'elle a trouvées, pour l'instant qu'elle assume parfaitement. Elle est dans la lignée de sa saison en WNBA où elle a déjà été très performante. C'était sa première saison en WNBA. Voilà, rookie, et donc en tout cas pour l'instant elle répond parfaitement aux attentes, mais maintenant elle cherche à faire gagner son équipe et elle aura sans doute à cœur encore plus ce soir de le faire face à son ancien club. Et puis l'autre joueuse toujours du côté du Belema, eh bien c'est Mika Heinz Allen, là aussi très très grosse performance, très grosse présence physique en tout cas sur le terrain. Oui, c'est une poste 3 très costaud qui participe énormément au rebond, et on l'a dit, c'est un peu un des défauts du BLMA sur ses dernières rencontres, et elle sera attendue parce qu'il y a des duels sur son poste 3 voire 4 parfois qui vont être compliqués, et donc elle va devoir dominer ses adversaires directs. Voilà, dans moins d'une minute maintenant, eh bien, ça sera le début du protocole pour ce match que vous allez pouvoir suivre. Je vous le rappelle, avec Marie et Gabriel qui seront aux commentaires durant ce match. Vous n'hésitez pas évidemment à venir nous poser vos questions également sur les réseaux sociaux. Ils sont là pour ça évidemment et pour pouvoir interagir avec nous. On continue sur les joueuses à suivre. Il s'agit de Marine Johannes évidemment du côté de l'ASVEL et l'étonnante Alexandra Kraventakic qui joue ici aujourd'hui à l'ASVEL. Oui, Kraventakic qui prend un rôle de plus en plus important, d'autant plus qu'en plus Alicia Clark sera absente sur ce match-là. Donc ça va être la joueuse à suivre, mais c'est vrai que du côté de l'ASVEL, c'est vraiment une pléthore de joueuses à suivre. Donc ça peut être une parmi tant d'autres, mais elle sera à surveiller, c'est sûr. En tout cas, Elena Siak sera également absente. Je vous laisse commencer en quelque sorte, puisque le protocole d'avant-match va démarrer. Je vous laisse démarrer la présentation de ces équipes et surtout les enjeux de ce match. Alors, on a deux équipes qui ont démarré la saison avec des difficultés, beaucoup de cas de Covid. Ça a été difficile de trouver le rythme, mais l'ASVEL l'a trouvé quelque peu. Avec 5 victoires de suite, elles sont en train de remonter au classement. Quant au BLMA, pour l'instant, elles n'ont pas réussi à équilibrer leur bilan, mais elles ont réalisé plutôt une bonne prestation à Bourges avant les fêtes. Elles voudront un peu continuer là-dessus et surtout elles ont pu enfin s'entraîner au complet. Ça fait 10 jours depuis la reprise. Elles ont eu un groupe conséquent. Il y a le retour d'Anna Dabovic dans l'effectif. L'équipe est assez équilibrée. Il y a une Mini Touré qui est arrivée au mois de décembre. Donc on va voir un peu si ça y est, enfin elles trouvent une alchimie qui a fait un peu défaut sur ce début de saison, il faut le dire, du fait de toutes les difficultés. Oui, 10 jours d'entraînement ensemble, pour elle, c'est vraiment énorme. Ça équivaut à une prépa,
avec, comme tu dis, une équipe assez équilibrée. Et du côté de l'ASVEL, des absences au niveau du poste 5. Donc là, il y aura des choses à faire au niveau du rebond et des forces assez équilibrées des deux côtés. Voilà, avec c'est difficile à scouter, j'imagine, l'équipe de l'ASVEL, puisqu'elle, d'habitude, elle joue avec Siak en tour de contrôle. Là, il n'y a pas de vrai poste 5, ça va être une équipe très mobile, qui a potentiellement changé, est très agressif en défense, qui va pouvoir changer sur tous les écrans. Donc, ça a été une préparation particulière, sans doute, pour les deux groupes, et ça annonce un match très intéressant. Oui, on va surtout voir un match, je pense, avec beaucoup de jeux rapides, de jeux de transition, un basket bien léché, avec des joueuses individuelles exceptionnelles des deux côtés. Donc, c'est vraiment la grande affiche, et on regrette que le gymnase soit vide à cette occasion. Mais on est content quand même de pouvoir vous le faire vivre ici. Il y a une certaine petite rivalité aussi qui existe entre ces deux clubs. On se rappelle qu'elles se sont affrontées notamment lors des finales de Playoff LFB en 2019. Alors du côté de Lyon, il y a beaucoup de joueuses qui sont toujours là. Au BLMA, il y a eu un certain renouveau. C'est quand même une équipe qui a été beaucoup changée. Mais quand même, il y a toujours une atmosphère particulière dans ce duel, avec notamment... du côté de Lyon, un coaching staff qui est légendaire à l'AT avec Valérie Domori et Guy Prat. Oui, et puis des joueuses qui sont passées aussi par l'AT, dont ce soir Ingrid Tancret. Bon, Elena Siak n'est pas là, donc c'est vrai que ça fait, je pense, du côté de l'ASVEL, un plus d'avoir envie de bien faire les choses et de continuer sur leur lancée de 5 victoires consécutives. Alors on a à l'écran l'équipe de l'ASVEL et... on passe à la présentation de l'équipe du BLMA, avec enfin beaucoup de monde sur le banc, comme vous pouvez le voir, ça fait plaisir. Avec India Farsi du centre de formation qui a pris quelques minutes sur ce début de saison. Ayn Salen qui est très attendu, on vous en parlait un peu plus tôt. Le couteau suisse. La jeune Nabala Fofana en poste 5. Minia Touré, dont on parlait, qui a signé au club début décembre. Grosse joueuse de 3-3. Michou Milapi, qui s'est remise très vite d'une déchirure du tendon d'Achille et qui commence à retrouver ses marques. Julie Allemand, qu'on ne présente plus. Anna Dabovic, qu'on a plaisir à retrouver enfin sur les parquets. Voilà, on espère qu'elle sera en forme. Donc, ah là, je vous laisse vous le dire. Liberté, ciseaux, skater. Je dois m'entraîner encore. Une jeune lituanienne, donc il y aura un duel de jeunes lituaniennes si elles sont amenées à rentrer en jeu. Roman Berniès qui maintenant fait partie des murs ici. Et la capitaine. Il y aura fort à faire en face de Marine Fautou, la jeune, et d'Ingrid Tancret, son expérience. Et le duo de coach qui est là depuis deux saisons et qui sont complémentaires et qui arrivent à tirer le meilleur du groupe. Et voilà. Un trio arbitral masculin. D'habitude, on a souvent quand même une arbitre femme, mais là, ce soir, non. Et donc, comme c'est de coutume ici avant la rencontre, une Marseillaise. Voilà la Marseillaise, on est à maintenant, on va bientôt être à 3 minutes de la rencontre. Donc une fin d'échauffement avec rythme pour rentrer dans le match dans les meilleures conditions. Les deux équipes qui se saluent, beaucoup de joueuses se connaissent puisque d'une part elles ont souvent joué ensemble, mais surtout beaucoup sont internationales françaises. Elles vont notamment se retrouver début février pour un stage pour préparer l'Euro et les Jeux Olympiques qui les attendent cet été. Et là, oui, il y a un paquet d'internationales. On va retrouver Roman Berniès du côté et Diandra Tchatchouang du côté de la Toi. Voilà, Marine Johannes.
On a Sarah Chauvaujon qui a fait le stage, mais qui n'a pas été convoquée pour ce stage, mais qui a quand même été en équipe de France. Marine Fotoux qui a participé au dernier qui est aux portes de... Oui. Voilà. Donc du très bon monde, Ingrid Dancré qui a connu quelques stages aussi par le passé. Puis une équipe assez jeune du côté de Lyon, avec de grands espoirs et des futures très très grosses joueuses européennes. Notamment la jeune lituanienne Justė Jocytė, oui, qui fait de plus en plus d'entrées en jeu cette saison. Elle arrivait en décembre 2019, qui a été une joueuse qui a dominé dans les catégories jeunes, alors qu'elle était encore U14, elle était MVP de l'Eurobasket des moins de 16 ans en 2019. Et donc qui est une référence maintenant du basket européen. Elle joue en sélection Lituanie. Étant donné que l'effectif de l'ASVEL est un peu court ce soir, on pourrait peut-être la voir sur le parquet. Elle s'est notamment illustrée, même en Euroleague cette année, au cours du premier hub à Istanbul. Donc une joueuse qui a déjà un QI basket, qui est capable de prendre les bonnes décisions sur le terrain malgré ses 15 ans. Elle a 15 ans, c'est incroyable quand c'est impressionnant, oui. Voilà, et donc c'est très bien de pouvoir la voir dans le championnat de France. Et on sera attentif à son évolution et on va voir si elle va entrer en jeu ce soir. Alors, on a une minute du match. Les joueurs sont rappelés. Dernier débrief. Les dernières consignes. Et on va voir sûrement des joueuses qui ont très envie, peut-être des fois un peu au début des erreurs, de vouloir trop bien faire ou d'aller trop vite. Mais on ne doute pas qu'elles vont rapidement se mettre dedans. Et de toute façon, c'est un match qui compte double pour les deux équipes. Villeurbanne qui aura envie de continuer sur sa bonne série et Lade qui a besoin de matchs gagnés pour remonter dans le classement et là on a quand même l'impression au vu des effectifs et qui sont beaucoup plus conséquents et du temps passé ensemble que c'est un deuxième championnat qui commence. C'est ça, le BLMA est sans doute frustré de sa première partie de saison et maintenant elles ont enfin tous les éléments pour pouvoir performer. Donc, et puis les victoires comptent peut-être plus encore cette année en saison régulière parce qu'on ne sait pas encore s'il y aura des play-offs. C'est évidemment prévu, mais il y aura peut-être encore des reports de rencontres, ça va être compliqué. Donc c'est quelque chose qui sera inédit, une saison sans play-off. Alors le classement à la fin sera peut-être encore plus important. Par exemple, l'ASVEL est un peu en retard sur Bougeot au classement. Et si le champion de France est le premier de la saison régulière, il faut absolument l'emporter ce soir. Voilà, Bourges qui a battu le BLMA juste avant la trêve hivernale. Donc, il n'y aura pas d'impasse en tout cas de la part des staffs et des équipes sans doute. Non, et puis là tout le monde a besoin de retrouver un rythme, de retrouver une cohésion d'équipe. Donc chaque match est important et là après une coupure de plus de 3 semaines, c'est vrai que bon, les équipes vont se chercher un petit peu. Villeurbanne qui est quand même bien diminué au niveau intérieur saura sûrement nous proposer un jeu mobile et de transition et de contre-attaque. Donc à mon avis ça va être un match qui va être très agréable à regarder. Et on voit que le 5 de l'ASVEL est vraiment grand. Donc les 3 joueurs susceptibles de pouvoir jouer à l'intérieur ce soir, Plouf, Kravendakic et Renkok commencent le match. Donc ça va être intéressant. Il y a aussi 3 grandes du côté de l'AD. Je pense que de toute façon chaque coach a regardé le 5 majeur de l'équipe adverse et a adapté le sien. Donc là c'est vrai que ça fait des équipes en taille assez homogène, mais homogène grand. Voilà, et ça annonce un duel physique. Avec Minia Touré qui intègre le 5 de départ déjà. Elle qui a été performante sur ses premières performances avec les Gazelles. C'est vrai que c'est le prototype de joueuse qu'il faut aligner contre Villeurbanne. Une joueuse qui est explosive, qui pénètre. Et voilà, première possession pour les Gazelles. Julie Allemand va rapidement appeler le système qui a sans doute été demandé sur cette première possession par Thibaut Petit. Défense individuelle du côté de Villeurbanne. On sent déjà que les équipes se jaugent. Situation de post-up avec Cheyenne Parker qui se retourne et qui rate. Et rebond offensif pour les Gazelles. Mais là on repart sur 10 secondes, donc il ne faudra pas tarder. Voilà, un petit système corne. Hop. Et Julie Allemand qui va chercher une faute. Alors ça sera important les fautes, puisqu'on l'a dit, l'ASVEL a un effectif assez court ce soir, notamment à l'intérieur. Donc on va être attentif au nombre de fautes, particulièrement du côté de l'ASVEL. Et là la première est pour Michèle Plouf, la Canadienne. Voilà, Michèle Plouf qui fait partie des joueuses susceptibles de jouer à l'intérieur, qui peut jouer 4, qui peut jouer poste 3, donc ailière fort. Et qui connaît bien le championnat français.
Voilà, ça change beaucoup sur les écrans. Voilà, et on sanctionne avec Aïn Salem qui marque le premier panier de cette rencontre à l'intérieur. On voit que c'est le genre d'action qu'on a au bout d'un moment quand on est habitué à jouer ensemble, les petites passes entre intérieurs comme ça qui sont vraiment pas évidentes. Donc on constate que les 10 jours d'entraînement et les matchs passés commencent à porter leurs fruits. Allez, un pick and roll. Marianne Johannes qui est voilà, très typique de Marianne Johannes qui tire un peu sur un pied. C'est pas forcément académique, mais c'est très efficace avec elle. On la tentative de réponse directe. Ça joue vite pour l'instant avec du rythme. Et on cherche le. Ouais, un contre sur un shoot. Voilà, Diandra Tchatchouan qui a bien stoppé Kravendakic. Un tir contesté. Hein. Diandra qui est réputée pour sa défense, notamment. Et entre deux, la balle du coup reviendra à l'Asvel puisque. Ils ont eu la première possession, donc la règle de l'alternance donne la balle au Villeurbanneuse. On voit que tout de suite les équipes vont très vite. Oui, on voit que le physique va devoir jouer, notamment en deuxième mi-temps, si on continue sur ce rythme-là. Parce que ça n'a pas l'air d'être comme ça, mais il y a une grosse pression défensive. En attaque, on ne pose pas trop le jeu, ça va vite. On cherche Rencock à l'intérieur. Voilà, dans son stick. Style très athlétique, hein, la Canadienne, qui vient provoquer la faute. Et ouais, Cheyenne Parker qui est un peu trop baissé les bras, donc qui est rentré dans le cylindre de son adversaire. Donc deux lancers francs. Rencock qui est passé par Bourges, hein, par le passé, et qui a aussi été MVP du championnat de France lorsqu'elle joue à Nantes-Rezé. Ouais, 2017-2018, il me semble. Voilà, oui, c'est ça. Et l'année passée, elle joue à Orenbourg en Russie. Elle a notamment affronté l'Asvel en quart de finale de l'Euroleague. Mais la série n'a pas pu se terminer puisqu'elle a été arrêtée par la Covid. Elle avait fait beaucoup de mal à l'Asvel qui finalement a décidé de la recruter. Ça a été une des trois recrues de l'intersaison. Quatre recrues, pardon. Et oui, comme avec... ça, ils ont un duo canadien. Aussi bien, elles se connaissent aussi de l'équipe nationale. Donc c'est vrai que ça facilite les choses. C'est ça, avec Plouf, donc autre joueuse canadienne. Oui, et puis les Canadiennes sont réputées pour la dureté de leur jeu, pour la défense. Donc c'est vrai que c'est les deux connaissant en plus le championnat français. On a une faute en situation de poste bas, mais pendant la tentative de tir à 3 points de Julie Allemand, donc le 3 points sera accordé. Et on aura une faute en plus qui redonnera la balle aux gazelles sous le panier. Oui, sur Michel Insalen. Donc là, ça peut faire une balle à plus, une balle qui vaut 6 points. C'est ça. Alors la faute a été donnée. Un numéro 4. Un Rencock, ouais. Donc Nayo Rencock qui elle aussi a déjà une faute, une autre intérieure. Une joueuse très importante de l'Asvel cette année qui a un secteur intérieur assez court puisque Mariam Badia. Et là on voit un passage en zone de la défense de Villeurbanne justement, vu qu'il y a un peu trop de fautes, elles sont passées en zone mais ça n'a pas été payant. Voilà, classique sur les touches lignes de fond. À l'Asvel, les garçons le font aussi. Défense de zone sur les touches lignes de fond, mais elles ont été sanctionnées. Et là elles perdent le ballon. Entrée pourtant pour l'instant réussie hein, de la part de Latte qui se projette vite. Hein, tentative de 3 points de Miniatouré, ratée. C'est un peu à double tranchant. Si on marque, on assomme l'adversaire, mais sinon on lui redonne une balle rapidement en défense, en attaque, et ils n'auront pas trop fatigué la défense. C'est un jeu qui est apprécié par Thibaut Petit. Et là on a une faute sur cet écran. C'est très très compliqué de défendre sur Marine Johannes parce que si on ne sort pas sur l'écran, elle shoot à 9 mètres et elle marque. Et si on sort, elle rentre en pénétration, on la connaît sur ses dribbles, sur ses shoots sur un pied. Voilà. Elle tire en sortie de pick and roll, mais c'est raté. Le rebond encore de Rencock, très grosse rebondeuse, qui sanctionne sur deuxième chance. Alors il va falloir faire attention, contrôler le rebond défensif, pas donner trop de deuxième chance. Encore un shoot rapide du côté de Latte, c'est dommage. Attention, on oublie là sur le repli. Heureusement, Rencock n'a pas bien saisi cette balle et elle la perd. Ah oui, là, les Latoises ont eu de la chance parce que c'est vrai qu'elle se retrouve vraiment toute seule sous les paniers. On met la balle sous le bras après deux tirs très rapides. Et un oubli encore. Et voilà, Miniatouré qui avait raté le précédent, mais là qui sanctionne. Un oubli, elle était seule dans le corner. Et donc, c'est à 3 points. Elle était bien à 3 points. Je cherche beaucoup. Johannes qui va jouer, c'est un axe très important.
les pics avec Raycock. Et c'est vrai que c'est assez statique du côté des autres Villeurbanaises. Elles attendent de voir ce que fait Marine. Et là, c'est Plouffe qui met le pied sur la ligne de touche. Et vraiment une bonne défense là des gazelles qui changent beaucoup dès qu'il y a des situations d'écran. Hein. Elles ont le 5 pour. Cheyenne Parker peut venir défendre sur des arrières, sur des petites loin du panier. Ayn Salen peut tenir les duels post-bas tellement elle est costaude. Donc c'est bien joué de la part de Latte. Ouais. Voilà, un petit jab step d'Ayn Salen qui sanctionne à 3 points. Oui, un premier break hein, quand même de Latte de 7 points. Ça entrée plutôt réussie hein, des locales. Les Redaniennes sont repoussées très loin du cercle. Alors, allez, 7 secondes. Il va falloir déclencher. Et encore un ballon très gagné. Très belle défense, c'est dommage. C'est vite ré... Et on a une faute. Sans doute Nandra Chachuang qui s'en peste. Veut. Voilà. Mais on sent une belle présence défensive des Latoises. Sur les passes, sur les dribbles, sur les pénétrations, elles sont là aussi au rebond. C'est vraiment la bonne dynamique. Et du coup, alors Valérie, si vous me le permettez, cher ami, sur ce premier temps mort, on a une petite vidéo et j'en appelle à mon camarade Marvin. Première vidéo, regardez sur votre écran. Et c'est Romy Bernès qui a quelques mots à nous dire sur ce premier temps mort. Alors on lui a posé la question sur les confrontations face évidemment au Lyon. Ces confrontations contre l'Asvel sont toujours particulières, ça fait déjà maintenant bien 2 ans je pense, que même 3, c'est devenu un peu un classico et comme le coach nous l'a rappelé, on n'a jamais perdu ici contre l'Asvel à la maison. On a eu des gros matchs, deux gros matchs intenses je pense notamment au final, mais on n'a jamais perdu ici donc forcément c'est toujours des matchs très particuliers. Après je pense pas qu'il y ait... Ouais, c'est pas normal. Comment dire ? Pour les aborder, il faut être fort mentalement, il faut être fort dans la tête. C'est pas forcément des matchs tactiques, techniques. C'est vraiment aussi à celui qui va en vouloir le plus, tout simplement. C'est la guerre. Demain, ce sera la guerre. Et voilà, il faut qu'on soit prêt, tout simplement, au combat. Et je pense que c'est ça qui nous permettra après de développer notre jeu, et notamment notre agressivité défensive. C'est ce dont on a besoin. Donc voilà, faut être prêt au combat, et on le sera. Voilà, reprise du jeu, 13 à 6. 13 évidemment pour le Belém, 6 pour l'Asvel. Et ce jeu reprend actuellement. Alors on a l'Asvel qui a demandé un premier temps mort. Elles ont déjà perdu 4 balles en seulement 4 minutes. Elles qui en perdent 14 par match. Donc elles sont vraiment gênées par la défense très agressive des Gazelles qui, encore une fois, change sur les écrans. Oui, et puis elles n'ont pas de point de fixation à l'intérieur. Ce qu'elles essayent de trouver, mais Allemand... résiste bien, attention à ne pas sauter. Et oui, c'est sanctionné contre Marine Johannes. Le fait de sauter a relaissé l'espace à Johannes à 3 points. Et là, donc, les Rodaniennes qui sont toujours en zone. Alors, pour essayer de bloquer le rebond et surtout éviter de prendre trop de fautes. Et c'est pas sanctionné par Julie Allemand. On n'a pas réussi à mettre la balle à l'intérieur. Oui, il va falloir trouver une alternance intérieure-extérieure pour attaquer cette zone et ne pas compter que sur des shoots extérieurs. Marine Johannes qui entre dans le match très agressive. Et voilà, le petit tir à l'angle de Julie Allemand sur un pied, c'est un spécial. Oui, elle a un premier pas hyper rapide une fois qu'elle a distancé son... Attention, deuxième faute de Diandra Chachuang. Et ouais, qui sort très agressive, hein. Elle veut couper du jeu Kraven Dakic. Plaque tournante un peu, qui devient de plus en plus en tout cas une plaque tournante de cette équipe de l'Asvel et donc qui est rappelée sur le banc. Et on a l'entrée en jeu d'Anna Dabovic. Anna Dabovic qui n'a pu jouer que 2 matchs cette saison, qui a été arrêtée et qui revient à la compétition, ça y est. Une grosse expérience de jeu, une grosse envie, on l'a vu la dernière fois, elle n'en pouvait plus d'être sur le banc et chez le kiné. Et qui tout de suite dans le post-up fait une faute, elle a laissé le bras en bas sur une antenne. C'est vrai que Kraven Dakic est quand même un peu plus long qu'elle. Oui, et puis on voit que les Villeurbanaises cherchent les miss-ups. C'est-à-dire que quand une grande est défendue par une plus petite, on lui donne systématiquement la balle. Et là, forcément, ça fait tomber les fautes. Et puis elle doit connaître parfaitement sa compatriote, puisque les deux jouent en équipe nationale. Elles ont été championnes d'Europe en 2015 avec la Serbie. Anna Dabovic avait d'ailleurs été MVP de la compétition. Bon, il y a quand même 5 fautes pour Latte et 2 pour l'Asvel. C'est l'Asvel qui a commencé par faire des fautes, mais
C'est Latte qui a continué aujourd'hui et à ce moment du match, chaque faute latoise donnera deux lancers francs à Villeurbanne. Et c'est signe de l'agressivité de Latte. Sont rentrés avec des intentions de vraiment faire mal à l'adversaire. Et là, c'est vrai qu'après la défense en zone, on fait moins de fautes, on prend plus de risques. Attention après le rebond offensif. Marine Johannes sur la ligne de passe qui surgit, deux points en contre-attaque et l'Asvel recolle à deux points désormais. Allez, il faut arriver à mettre la balle un peu à l'intérieur. C'est un peu trop statique, voilà, on attend qu'un point de fixation. Et encore une tir à trois points, mais nouveau rebond offensif avec Michou Milapi. Ah, et une blessée, Micha Ansalen, qui a l'air d'avoir pris un coup dans le bas-ventre, je dirais, ou alors le doigt. Voilà, elle se tient là-bas. Pendant c'est sûr qu'à l'intérieur, il y a des impacts. Il y a eu un changement pendant ce temps avec Romane Bernier qui entre en jeu, qui va sans doute jouer un peu plus sur le poste 2. Ouais, voilà. On va gagner en vitesse du côté de Latte, mais on va perdre un petit peu en taille, donc il va falloir compenser tout ça. On cherche poste haut, poste bas, mais c'est difficile. C'est dur. Et là, il reste à peine 4 secondes. Il va falloir trouver vite une solution. Attention, il faut trouver un espace pour pouvoir s'élever. Les deux joueuses qui se connaissent bien, elles étaient ensemble l'année dernière. Allez, 24 secondes, on rend la balle à Villeurbanne. Pour l'instant, les gazelles qui ont du mal face à cette défense de zone. Et oui, elles... Pas assez de points de fixation intérieur, donc beaucoup de shoot extérieur. Et quand on ne met pas dedans, ça rend les choses compliquées. D'autant plus qu'on a peu de rebonds offensifs sur les défenses en zone. Donc, et derrière, ça donne des balles de contre-attaque. On recherche Kravendakic encore sur le poste bas. Voilà, encore une différence de taille. Elle le joue bien. C'est sanctionné. Sur tous les changements défensifs, elle arrive à trouver la joueuse qui est défendue par une plus petite. Et Nayo Rincoq, toujours avec ses qualités athlétiques exceptionnelles. Ouf. Voilà. Moi perso je me serais pas mis devant, mais bon. Et ça répond de l'autre côté hein, tout de suite. Ah oui, il n'y aura pas de tendance sur le match, ça c'est sûr. Marianne Johannes qui va faire monter une de ses coéquipières au pic. Encore la relation avec Nayo Rincoq. Les passes quand on est les passes sautées comme ça, c'est très compliqué. Alors c'est un style particulier à Marianne Johannes, hein, c'est. C'est un style particulier. Je sais que dans les centres de formation, ils n'aiment pas trop les passes sautées. Ah non, là, quand la relation de passe est coupée, c'est fini. On fait marcher ou on donne la balle à l'adversaire. Mais bon, par contre, ça peut être efficace. Maintenant, ça se fait de plus en plus, notamment grâce au basket espagnol qui vraiment est allé à l'opposé un peu de ça. Et donc, le basket espagnol qui domine à la fois sur le basket masculin et féminin est en train de faire changer un peu cette tendance. Mais c'est toujours pas toléré par tous les coachs, notamment... dans les centres de formation français. Mais disons quand ça passe, le coach ne dira rien, mais par contre quand ça ne passera pas, ça va être très compliqué. Et pendant ce temps, on a Yorinkov qui réalise un très gros début de rencontre. Oui, elle est présente au niveau offensif, au niveau des rebonds, et pour l'instant c'est un peu le fer de lance avec Marine Johannes du côté de l'Asvel Lyon. Déjà 8 points avec ce lancer franc pour elle et 4 rebonds. Voilà, 10 d'évaluation en 7 minutes, c'est très rentable. Mais un gros rendement offensif des deux côtés puisqu'il reste encore 2 minutes 30 à jouer. Il y a déjà 34 points de marqué avec une égalité parfaite. Voilà, attention, cette attaque un peu statique. Mais Julie Allemand qui trouve la solution et qui sanctionne le switch. C'était Michel Plouf qui défendait sur elle, un peu loin du cercle. Elle est plus mobile, elle la connaît. Oh là à la passe directe au coach. Guy Prat peut-être allait demander la balle. Allez, encore le système corn. Ouf. L'arbitre a estimé qu'il y avait eu un petit peu trop de cinéma. Ouais, Dabovic a 3 points, mais c'est statique. Hein, c'est statique. On fait pas descendre la balle dessous. Il n'y a pas de pénétration, il n'y a pas de décalage. C'est difficile. L'Asvel qui s'est bien mis dans la rencontre, hein, après un début un peu difficile. Attention, Ingrid Tancré, elle a un sacré bras, petit lutin. Oui, on la connaît ici, pour avoir marqué des shoots à 9 à 10 mètres. Ah, très belle passe. Et voilà, qui sanctionne.
avec toujours le petit coup de regard vers l'arbitre. Ana Dabovic et les arbitres, c'est une grande histoire d'amour. Est-ce qu'elle est partagée, ça? Mais bon, maintenant elle est connue dans le championnat français, voilà. Donc voilà, je pense qu'on va la prévenir que de nouveau, un effleurement de l'ongle n'est pas une faute. Voilà. Elle a été avertie en tout cas pour une faute technique parce qu'elle a tenu le ballon et elle a empêché la remise en jeu rapide. Mais bon. Quand on a des joueuses avec un tel CV, on leur pardonne un peu plus que d'autres. C'est ça, et Sarah Chevaujon qui essaye de poster Romane Berniès. On cherche un peu l'avantage de taille sur les postes extérieurs. Ça amène Dakichou. Ouh, ça s'appelle un airball. Voilà, mais Nayo Rincoq encore au rebond. Elle lit très très bien les trajectoires de shoot et surtout elle n'attend pas, elle se déplace en permanence et c'est très compliqué si on la bloque pas pour l'empêcher d'aller au rebond parce qu'une fois qu'elle est placée, en plus elle a vraiment de la détente, elle est athlétique. C'est ça. Donc ça va être un point à corriger du côté de l'AT, mais je pense qu'ils le savent déjà. Cette troisième faute provoquée. On est déjà à 7 fautes du côté de l'AT sur un carton, c'est énorme. Ouais. Et elle sanctionne lancer franc, 5 sur 5, c'est propre. Continue. Son très bon début de rencontre. Ça serait bien de pouvoir aller lui faire faire un peu des fautes, mais pour l'instant, l'équipe latoise joue vraiment en périphérie. Et donc, c'est difficile d'aller la chercher. Surtout sur une défense en zone. Voilà, une façon de protéger un peu son secteur intérieur pour Valérie Demory. En plus, ça réussit pour l'instant à son équipe. Pas une seule passe intérieure, c'est vrai que derrière c'est compliqué. Et là il va rester 11 secondes. Les gazelles qui ont pris quasiment autant de tirs à 3 points qu'à 2 points pour l'instant. Alors il y a des shooteuses, mais ça serait bien un peu de trouver des solutions. Et des marqueuses. Dabovic qui n'a pas d'aide, par exemple là sur la ligne de fond, alors que ça vient aider. Chevaujon, elle, shooteuse. Eh oui, mais ouf. Ça sanctionne pas pour l'instant. Les Latoises restent devant. Il restera deux possessions sur ce premier carton. Voilà, un petit main à main qui amène sur un pick and roll. Jeu à deux. Belle passe aveugle. La spéciale d'Ana Dabovic. La petite no look passe aveugle. Mais c'est pas sanctionné. Là, c'est vraiment pas une bonne lecture du côté de l'ASVEL Lyon. Elles auraient dû aller jusqu'au bout de la possession pour ne laisser que quelques secondes derrière Alat, qui va pouvoir travailler jusqu'à la fin de la possession et jusqu'à la fin du premier carton. On va donner beaucoup d'espace et Julia Allemand va sans doute peut-être appeler un écran. Non, elle va faire la différence toute seule. Et oui, elle s'infiltre, panier. Voilà, elle n'a pas besoin d'aide, elle est capable, elle est grande, elle peut... C'est le moins qu'on puisse dire. En première fin de ce premier carton, qu'est-ce qu'on peut dire? Globalement, très grosse défense de la part des gazelles, avec pas mal de fautes quand même à la clé. Ah oui, c'est l'un énorme. Ne va pas sans l'autre. Et un match plutôt équilibré, 23-19 pour l'instant. Oui, puis avec des points, c'est agréable à regarder. Et malgré une belle défense de latte, elles encaissent quand même 19 points, parce qu'il y a quand même beaucoup de shoots qui sont pris. Et des deux côtés, et c'est vrai que là, te shoot rapidement, donc s'il n'y a pas de réussite derrière, ça donne des balles de contre-attaque et de transition, un jeu que vraiment apprécie beaucoup l'ASVEL Lyon, donc ça fait des points des deux côtés, et c'est vrai que par contre, du côté de là, ça ressemble un peu à l'arbre de Noël, et il y a beaucoup de fautes, et ça va être une donnée importante du match. Il va falloir se calmer un peu pour la suite. Vous le savez, vous pouvez nous envoyer vos vidéos en direct de chez vous, communication@blma.fr. C'est ce qu'a fait par exemple Mickaël Boucher, lui, il est partenaire, il est directeur du développement de Veolia. Regardez sur les écrans cette première vidéo. Il y en aura d'autres évidemment durant cette retransmission que l'on pourra évidemment vous présenter. Pour l'instant, c'est Mickaël Boucher de chez Veolia. Bien, bonsoir à tous. J'imagine que comme moi, vous êtes confortablement installés dans votre canapé pour suivre ce match de nos gazelles face à l'ASVEL. Alors Veolia, nous sommes un opérateur des services à l'environnement qui assistons les collectivités dans la gestion de leurs services d'eau, d'assainissement, de déchets. Et nous sommes depuis très longtemps partenaires du BLMA, tout simplement parce que nous partageons des valeurs communes qui sont avant tout des valeurs humaines, d'esprit d'équipe, de combativité, de dépassement de soi. Des valeurs auxquelles nous sommes très attachés et qui animent au quotidien les différents métiers que nous pouvons pratiquer. Je profite de ce petit clin d'œil pour vous adresser à toutes et à tous une excellente année. Remercier tout le staff du BLMA, Franck, Laurent, pour nous permettre de rester en contact avec nos gazelles. Très bonne année à tous donc, et je l'espère à très bientôt dans les tribunes du Palais des Sports de l'Apt.
Voilà, c'est la fin de ce petit intermède entre le premier et le deuxième quart-temps. On retrouve toujours aux commentaires Marie Vicente et Gabriel Pintel-Jouve. Bibasket, hein, c'est le site internet où vous retrouvez évidemment toutes les informations 365 jours par an. Et vous suivez ce match. Merci en tout cas d'être aussi nombreuses et nombreux à nous suivre. C'est parti pour ce deuxième quart-temps, 23-19 pour l'instant. On a Marine Fautou qui fait sa première entrée en jeu. Hein. Si je ne m'abuse, elle n'était pas entrée sur le premier quart-temps. Une match-up intéressante au poste 1 avec Julie Allemand. Oui, de l'expérience contre de la jeunesse. Ça vient doubler à l'intérieur sur cette prise de position de Cheyenne Parker qui pour l'instant, a un peu de mal à trouver des solutions sous le cercle. Non, elle est présente au rebond, mais c'est vrai qu'elle manque un peu de réussite sur ses shoots. Attention, interception manquée. Et encore un bon rebond d'Aïn Salen. Très vite, une situation de pick, side pick sur les transitions. Et ouais, mais les Lyonnaises reviennent très rapidement en défense. Elles étaient prêtes, elles étaient là, elles sont venues trapper. Et ça a compliqué le shoot. Attention, faute de Julie Allemand. Et ouais, elle est un peu sur ce petit passé va, elle était un petit peu en retard. Et elle ne s'attendait pas du tout, je pense, parce que c'est vrai que c'est la base du basket. C'est le plus simple et des fois, c'est ce qui marche le mieux. Voilà, un bon petit système de poussine, de U11, mais ça passe aussi en LFB de temps en temps. Ah, mais les Espagnols nous apprennent aussi que le plus simple est ce qui marche le mieux. Avec une grosse technique individuelle derrière, le basket, c'est quand même beaucoup plus facile. Allez, Sarah Chevaujon, qui est arrivée... durant l'intersaison aussi, qui a fait partie des quatre recrues de l'ASVEL, qui jouait au Flamme Carolo avant. Oui, qui est passé par Bourges et qui est déjà passé par Lyon, puisque quand il y avait eu le projet d'union entre Châles et Lyon qui avait avorté, elle était partie sur Lyon, donc elle n'est pas en terre inconnue. Voilà, la native de La Rochelle, si je me trompe pas, un beau CV, qui marque ses deux lancers francs, et il y a deux points d'écart donc. Voilà, on est sur une défense individuelle de nouveau au BLM, à l'ASVEL, pardon. Ça manque un peu de mobilité, voilà, il reste 7 secondes. Ouais, et là, on voit l'expérience d'Anna Dabovic. Anna Dabovic qui a un langage corporel qui fonctionne parfois bien. Ça marche finalement des fois sa relation avec les arbitres. Dès qu'il y a une main qui est posée, elle le fait sentir, elle le fait savoir. C'est l'expérience. C'est dans des pays basket comme ça, la Serbie, souvent on a des joueurs qui sont capables de maîtriser ces genres de petits détails qui, au demain, qui font beaucoup de différence. Et voilà, une nouvelle passe aveugle à l'opposé du pic et c'est sanctionné. Roman Berniès qui est de plus en plus à droite à 3 points. Elle avait énormément travaillé ces deux dernières saisons sur ce point avec Nicolas Pérez, l'ancien entraîneur individuel du club, désormais à Gravelines-Dunkerque en JP Elite. Et un nouveau ballon gagné. Ah, dommage. Beaucoup de transitions pour les gazelles, mais... Des deux côtés. Ça relance. Pour l'instant, c'est pas toujours efficace. Mais en tout cas, il y a du rythme. Voilà, on va sans doute chercher un système corne avec deux intérieurs qui montent. Dabovic qui prend beaucoup d'initiatives. Pour ce premier match de l'année, ça fonctionne. Avec un faux rythme. Des fois, il y a des joueuses qui sont tellement lentes que ça surprend la défense et c'est un peu sa spécificité, c'est efficace. Finalement, le but, c'est de mettre dedans. Elle y arrive, c'est tout ce qu'on lui demande. Elle a une très très bonne lecture de jeu et si elle ne va pas au bout, elle trouve toujours une coéquipière démarquée. On a vraiment l'impression que c'est la marque de fabrique de l'Europe de l'Est qui avait une joueuse qui est passée par le championnat de France, Emilia Podruc, qui pareil arrivait toujours à trouver des solutions ou par elle-même ou des passes extraordinaires à ses coéquipières. On dirait que c'est dans leur ADN. Voilà, on a un changement, Kraven Dakic qui revient en jeu. Ah. C'est problème à la table de marque peut-être. C'est revenu trop vite en jeu. On voit Marine Johannes parler aussi avec un arbitre. C'est vrai qu'il y a quand même des contacts au niveau des écrans, mais bon, ça fait partie du jeu. Entre ceux qui bougent, ceux qui ne bougent pas, les joueuses qui surjouent un peu, c'est pas toujours évident pour le corps arbitral de faire la part des choses. Mais qui est surveillée de près, Marine Johannes. On ne veut pas qu'elle prenne feu. Elle est capable de renverser une rencontre sur un petit laps de temps.
Et oui, c'était il y a 2-3 saisons, elle était venue ici, on ne l'avait pas vue de tout le match, et sur les 2-3 dernières minutes, elle avait tout renversé. Et c'est vrai que c'est le genre de joueuse comme ça où on se dit qu'il ne faut pas lui laisser un centimètre. D'ailleurs, ils ont mis Miniaturi qui a aussi des grosses qualités défensives et explosives comme elle dessus. Donc, Des joueuses qui ont un âge et une expérience sensiblement identiques. Hein, Miniaturi qui commence maintenant. C'est longtemps considérée comme une jeune joueuse, mais qui a 27 ans, là, qui sort de sa première expérience à l'étranger. Bon, elle n'est pas allée très loin, elle est allée en Belgique, mais c'est dommage pour elle, en effet, qu'elle n'ait pas pu faire l'Euroleague, puisque les Castors de Braine ont renoncé. Voilà, on cherche encore une situation de main à main qui amène finalement sur un poste bas à Ensalen. Voilà, la faut renverser. Roman voilà, bonne seule. Lecture. Bonne lecture sur ce jeu poste bas. Super. Et deuxième 3 points. De la native d'Agen, qui vraiment, le fait de pouvoir sanctionner à 3 points, ça a été longtemps un problème pour elle, mais maintenant qui a ajouté ça dans son jeu, et ça la rend de plus en plus dangereuse. On la sent aussi des fois plus à l'aise sur le poste 2, justement, où ça lui libère des positions de shoot. Voilà, c'est... Attention, attention aux contestations. Et le public, alors le public, hein, il y a quelques personnes... Les personnes présentes. Voilà, les personnes présentes ici, les dirigeants notamment, qui trouvent cette faute un peu dure. Mais bon, il faut le dire, hein, Marine Johannes, c'est quand même un statut. Et dès qu'elle va être un peu touchée, ben, forcément, elle aura peut-être de temps en temps des coups de sifflet un peu plus favorables. Donc ça fait partie du jeu, hein, il y a des gros CV sur le terrain, et quand on est respecté, ben, on acquiert ces petits privilèges. Non, puis en plus, c'est une joueuse qui est en perpétuel mouvement, donc dès qu'il y a du mouvement, c'est compliqué de laisser jouer ou de sanctionner. Voilà, et qui a quand même... elle a quand même débordé sa joueuse, donc quelque part, derrière, c'est difficile dès qu'elle va avoir un contact, de côté ou derrière. On est beaucoup sur cette forme de jeu pour l'instant. Les joueuses là, de l'ASVEL Lyon qui changent sur les écrans. Et Dabovic encore. Là, il lui manque un petit peu de rythme, parce que c'est vrai que quand elle est en forme, c'est le genre de panier qu'elle ne manque pas. Beau travail de Michoumi Lapi qui a tippé le ballon à l'intérieur pour le récupérer et marquer. Ça fait un peu des paniers sous le cercle qui manquaient un peu depuis le début de la rencontre. Et puis, il y a pas mal de deuxième chance aussi pour le Béalama. Qui, mine de rien, a une belle activité au rebond offensif, une meilleure activité du moins dernièrement. Oui, Michou, les quelques semaines d'entraînement qu'elle a pu avoir lui ont été vraiment bénéfiques après sa reprise après blessure. Et marché de Marine Johannes, qui était partie au drive, mais s'est venue aider. Elle n'a pas eu de solution, ses coéquipières étaient un peu attentistes. Elle pensait sans doute qu'elle allait finir en lay-up. Et sans solution, elle a fait un marché. Donc, encore une perte de balle pour l'ASVEL. Qui est à moins 8, hein, les gazelles. Attention, 8 secondes. Oula, attention. Belle lecture de Michou Milapi. Voilà. Belle alternance intérieur-extérieur. Donc là, c'est les Latoises qui refont un break à plus 11, qui gagnent en confiance en attaque et sur les shoots extérieurs. Et donc ça donne le plus gros écart du match, 36-25 pour le BLMA, qui se détache petit à petit. Belle défense, très belle défense d'Ainsalen sur Kravendakic. Il va rester 5 secondes, Marine Fotoux, qui s'infiltre mais qui ne marque pas. Et encore, Nayorenko au rebond. Allez, 10 secondes. Voilà, puisqu'après un rebond offensif, on rappelle qu'il ne reste que 14 secondes pour pouvoir tirer. Et voilà, Romane Berniès qui arrache ce ballon avec toute sa rage. Et au jeu de l'alternance, ça sera de nouveau un ballon pour l'ASVEL, mais il restera que 2 secondes 1. Donc il va falloir trouver vite. On voit vraiment un changement d'état d'esprit du côté des Latoises qui sont beaucoup plus présentes en défense, qui arrivent à avoir une belle alternance en attaque et au niveau du score, ça Roman Johannes qui va sans doute récupérer le tir pour déclencher. Et voilà, non, c'est spécial. S'il y en a une qui est capable de le faire, c'est bien elle. Et alors, il ne faut pas être étonné, hein, parce que ça arrive vraiment très souvent.
Oui, ça va être encore un shoot qui va tourner sur les réseaux sociaux, on n'en doute pas. Il y a Nadabovic qui appelle l'écran. Attention à ne pas trop rester en périphérie. Et oui, toujours une défense en zone. Et nouveau rebond offensif, il y a beaucoup de rebonds offensifs. Il reste 8 secondes. Mais la taille affichée par les joueuses de l'ASVEL Lyon n'est pas très élevée. Il va falloir tirer. Et c'est court. Ah là là, relance. Pareil, une passe. Il manquait pas grand chose pour que ce soit une passe décisive qui donne lieu à un double pas. Avec son style toujours aussi facile, Marine Jones fait des choses qu'on ne montre pas forcément les écoles de basket, mais qu'elle arrive à réussir. Une baseball passe un peu particulière, mais bon, la balle est conservée par l'ASVEL qui va tenter de s'accrocher. Sans doute le discours de Valérie Demory avec cet effectif diminué, ça va être de rester pas trop loin et puis avec l'expérience qu'elles ont en fin de match, de pouvoir un peu déborder les locales qui pour l'instant n'ont pas forcément acquis une dynamique de victoire du fait de tout ce qui s'est passé, donc la confiance peut... Et là on voit que Valérie Demory a remis Michel Plouf pour regagner un petit peu en taille. Et en présence au niveau des rebonds. Donc là, il a aligné ses deux Canadiennes. Mais c'est pas sanctionné. C'était encore un rebond offensif de Ryan Koch, absolument omniprésente dans ce secteur. Et cascade d'écran pour remonter. Mais vous voyez comme on est obligé d'aller très très loin du cercle. On est quasiment à la ligne médiane. Allez, on est repoussé très loin. Mais du coup, des fois, parfois, les collaborations. Dommage. Le in and out sur ce tir. Et ça sera une sortie. Dans les écoles de basket, on dit la planche, c'est la sécurité. Et ouais, elle a fini avec une sorte de petit tir drop, ni layup, ni tir drop, c'est parfois. C'est vrai que là, on se met à hésiter, la planche, pas la planche, et quand on hésite, c'est compliqué. Toujours Johannes surveillé de près par Minia Touré. Attention, Marine Jones, ouais, cette passe qui déclenche encore un tir en fin de possession. Et c'est encore Rincock qui était encore présente, mais cette fois la balle sera récupérée par les Gazelles. Et un temps mort qui est appelé. Pour faire souffler un peu l'équipe, parce que là c'est vrai que le rythme est intense, que ce soit en attaque où il y a beaucoup de jeux rapides et de transition et en défense. Donc là tout le monde a besoin de souffler un peu, de reprendre ses esprits. Alors, nouveau temps mort, ce que je vous propose, c'est qu'on continue un peu à regarder les vidéos que vous nous avez envoyées. Notamment, il y a celle de Pascal. Pascal Bentajac, elle est bénévole au club et elle est membre du bureau également. Et regardez, elle nous a fait une petite vidéo, Pascal, qu'elle nous a envoyée. Évidemment, vous pouvez faire de même sur communication@blma.fr. Non, ça, c'est plus tard. Ça, c'est le programme de la mi-temps. C'est le teasing du programme de la mi-temps, évidemment. On parlera de la nouvelle. Où que l'on soit ce samedi soir, et j'espère que l'on sera très nombreux à vous regarder jouer dans nos écrans. On pense à vous et on vous soutient. On vous encourage pour ce match face à l'équipe de Lyon. On compte sur vous pour la victoire, alors on vous envoie toutes nos pensées positives. On vous aime, faites-nous vibrer, faites-nous rêver. Go, 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 Gazelle. Bon match, les filles. Voilà, Pascal, bénévole et membre du bureau également, pile poil sur le tempo et sur le timing. C'est la reprise de ce deuxième carton. 36 pour le BLMA, 28 pour l'ASVEL. C'est un match qui, pour l'instant, on va presque dire, Marine et Gabriel, un match qui nous sourit pour l'instant. Oui, pour l'instant, on est devant. Donc c'est quand même le plus important dans le basket. Elles ont fait un bon break. L'ASVEL Lyon est revenu un peu, mais on sent surtout une... On a une cohésion au niveau défensif et offensif qui présage une bonne deuxième mi-temps. Voilà, attention, une bonne défense. On va devoir déclencher, il reste 4 secondes. Julie Allemand qui attaque ce match-up. Et ouais, elle était gênée par l'envergure de Michel Plouf. Elle n'a pas réussi à la franchir. Oui, Michel Plouf qui est bien resté à distance pour éviter de faire une faute et donner 3 lancers francs. Voilà, on a Diandra Tchatchon qui revient, elle qui a été sortie rapidement en début de rencontre avec ses deux fautes. Elle revient sur le parquet, et là elle gêne le tir de son ancienne coéquipière Ingrid Tancré. Et on a une faute de Kravendakic sur ce rebond, sur cette lutte sur le rebond.
C'est que la quatrième faute seulement oui, de l'Asvel. Oui, c'est que sa première. Donc, voilà. Donc ça casse aussi le rythme, ça permet de ne pas avoir de contre-attaque, même si c'était certainement pas voulu, puisque c'était dans la lutte au rebond. Non, mais on voit que les fautes, ça va être important à gérer du côté de l'AT, et que pour l'instant, l'Asvel Lyon n'est pas trop concerné. Voilà, un petit UCLA cut. Et Julien Allemand en sortie d'écran qui est capable de sanctionner à 3 points. Finalement, allez, 4 secondes. Bien. On reconnaît la joueuse de 3-3. Et ça qui est venu sur sa main gauche. Des appuis décalés et elle a su provoquer. C'est ce qu'on attend des joueuses extérieures. Qu'elles puissent à la fois shooter de loin, mais surtout qu'elles arrivent à pénétrer pour attirer la défense et aussi distribuer les ballons à leur grande afin de pouvoir alterner shoot intérieur, shoot extérieur. Et c'est comme ça qu'on arrive à dominer son adversaire. Mais bon, la théorie c'est une chose, la pratique en est une autre. En tout cas, elle a provoqué la deuxième faute de Raincock et elle a converti pour l'instant son premier lancer franc, qui elle peut redonner 10 points d'avance. Et voilà, 10 points d'avance de nouveau pour les Gazelles. Oui, psychologiquement, 10 points d'avance, c'est toujours un plus. Maintenant, à elle de savoir garder cette avance et on ne doute pas que l'Asvel Lyon saura réagir. Et tout de suite, Nayo Raincock qui répond à l'intérieur. Voilà, avec ce petit hang time en l'air, elle est capable de se resituer. C'est rare dans quand même des filles aussi athlétiques. Elle monte et puis finalement elle remonte alors qu'elle est en train de redescendre. Allez, 4 secondes. Beaucoup de possession. Compliqué maintenant pour les Latoises d'arriver à trouver des positions de shoot. Et Julie Allemand qui arrive finalement en fin de possession cette fois à marquer sur Michel Plouf. Elle est vraiment là pour ça. Dans les fins de possession, on lui donne la balle. C'est elle qui peut faire la différence. Mais il va falloir essayer de trouver des solutions collectives parce que là, ce sont des exploits individuels. Mais tenir tout un match comme ça, ça va être compliqué quand même. Et ballon récupéré. Belle activité de Cheyenne Parker et Heinz Allen qui marque de l'autre côté le coast to coast. Et oui. 12 points d'avance. Ça repart vite pour l'Asvel. De toute façon, l'Asvel a tout intérêt à jouer rapide. C'est leur profil de... Leur profil de jeu, d'équipe, il n'y a pas de grande. Voilà, il reste 10 secondes. Situation de pick and roll, on vient vraiment fort à deux. Mais c'est aussi Julie trop Allemand statique du côté de l'Asvel. Julie Allemand qui sent bien la situation. Et qui va faire souffler ses coéquipières parce que là, c'est du non-stop. Voilà, on rappelle système corn, les deux intérieurs qui montent. Allez, il y a une position à l'intérieur. Ouais. Ça vient doubler, ça vient trapper. Et ouais. Allez, par contre, il va rester 3 secondes et demie. Il aurait fallu que Diadra descende un peu plus dans le corner pour ouvrir la passe plus facilement. Et temps mort, sans doute. Temps mort demandé à 44 secondes. Les deux staffs avaient pris qu'un seul temps mort. Donc. Et là, on a vu Nayo Raincock qui commence à souffler. C'est vrai qu'elle est... Je ne suis même pas sûr qu'elle soit sortie depuis le début du match. Et avec toute l'activité qu'elle déploie, on voit qu'elle commence à souffler. 19 minutes de jeu pour elle. Et elle doit déjà avoir de belles statistiques. Ah oui, elle a 18 d'évaluation. Hein. 12 points, 8 rebonds. Elle est aussi 3 sur 4 au tir, 6 sur 6 au lancer franc. Ouais, très très peu de déchets, une très grosse présence offensive au niveau des rebonds. Gabrielle Marie, 42-30 pour l'instant sur le tableau. Qu'est-ce que l'on peut penser que l'Asvel va mettre en place pour pouvoir remonter? Parce qu'il y a quand même quelques points là qui sont déficitaires du côté de l'Asvel. Et je pense que là déjà elles vont se concentrer sur les deux dernières possessions. L'idée effectivement ça serait sans doute de passer sous cette fameuse barre des 10 points, quand même une petite barre psychologique, ça serait bien de finir sur une possession positive avant d'entrer au vestiaire pour avoir une dynamique intéressante pour la suite. Mais voilà, elles ne vont pas vouloir trop se détacher, donc il y aura peut-être des stratégies spécifiques aussi. Oui, elles repasseront peut-être pas forcément en zone puisque là, tu as retrouvé de l'adresse extérieure. Donc, à voir ce que nous propose Valérie Demory et surtout les joueuses sur ces 44 dernières secondes. 44 secondes qui restent à jouer. On s'en retrouve à la mi-temps pour vous présenter une nouvelle joueuse qui arrivera très, très bientôt. Avec Raincock qui sort enfin, elle va être préservée hein, sur ces 44 dernières secondes. On ne va pas vouloir qu'elle rentre au vestiaire avec 3 fautes. C'est Monique Macani qui rentre pour la voilà, jeune. Une défense individuelle du côté de l'Asvel Lyon. Et il restera 0,3 secondes. Et oui, parce qu'on n'a pas touché l'arceau, donc le chrono n'est pas revenu à 14 secondes. Voilà, donc là, elles ne vont pas pouvoir attraper et tirer. Hein. En dessous de 0,4 secondes, il va falloir absolument faire une petite claquette pour que ça soit validé. On n'a pas le temps d'attraper et tirer.
Bon, je parierai sur Parker, mais pas sûr. On va chercher à l'intérieur un petit alley-oop peut-être. Ouais. Oula. Et l'activité de Monique Macani qui vient juste de rentrer et qui rate sa contre-attaque. Attention, là, on va sans doute garder la balle pour jouer la possession le plus longuement. Il y a 9 secondes de décalage. Elle a une prise à deux, on aurait presque pu espérer une faute du côté de Latte. Oui, ça vient trapper à l'intérieur. Il y a une deuxième joueuse à chaque fois que la balle descend dans la raquette qui vient aider. La Roche-sur-Yon le faisait aussi déjà. On sait que c'est quand même les points forts de Latte, leurs deux grosses joueuses d'intérieur. Donc on limite les risques et on vient attraper. Et Shane Parker encore, qui n'arrive pas à marquer pour l'instant à l'intérieur. Hein. Et il restera une possession, une green card ancrée qui va sans doute lire. Ah non, là, elle va... Comme ouais. À la fin du premier carton, mais elle c'est est tellement... vrai qu'elle aurait pu garder la balle jusqu'à la fin de la possession et éviter de redonner une nouvelle balle offensive à Latte. Et bon, elle a pris le shoot, elle a mis. Elle est tellement sécure sur ce petit tir que... Voilà. Mais bon, derrière, et voilà. Situation N1, donc effectivement, si elle avait gardé la balle, peut-être qu'il n'y aurait, bah, aurait pas eu cette situation. Bah, là, de toute façon, ça fait moins un pour elle et une faute supplémentaire. Donc c'est vrai que c'est... voilà, d'ailleurs, ouais. On voit Valérie Domori qui râle. Pour une joueuse d'expérience comme ça. Ouais, c'est la deuxième faute donc, de Michèle Plouffe, qui elle aussi est une des rares intérieures présentes ce soir pour l'ASVEL. Donc c'est une mauvaise nouvelle pour elle. Bon, deux fautes à la mi-temps, ça reste... Ça reste correct. Mais bon, ce sera ça quand même à surveiller. Voilà. Et donc cette fameuse note négative pour finir la mi-temps, avec 13 points de retard. Oui, 13 voilà. Points, c'est pas rien. On se retrouve... Pour cette mi-temps, on a eu un petit teasing tout à l'heure. Hein. C'était juste avant, sur le dernier temps mort. Une nouvelle joueuse, évidemment, vous le savez si eh bien, vous avez suivi notamment l'Instagram live avec notre directrice sportive. Nouvelle joueuse, regardez les highlights de cette nouvelle joueuse. On en reparlera avec Marie et Gabriel juste après. Regardez l'écran. Alors, je vais peut-être pas écorcher son nom parce que sinon. Maintenant, c'est à moi. Voilà, nouvelle joueuse. Donc, je vous le disais, je vais essayer de pas écorcher son nom. Elle s'appelle Nafessa Collier. Elle a été meilleure rookie en WNBA. Ce qui veut dire que là, on parle vraiment du très très haut niveau. Oui, oui. Meilleure. Pardon, excuse-moi. Vas-y, je te laisse. Meilleure rookie, oui, en 2019. Et puis, elle a été dans le deuxième meilleur 5 de la saison de WNBA, c'est-à-dire qu'elle a fait partie des 10 meilleures joueuses de la WNBA, qui est le meilleur championnat au monde en termes d'individualité, hein, le championnat nord-américain. Et ça a été une très très grosse joueuse, notamment à l'université du Connecticut, qui est vraiment la grosse université américaine. Elle a été championne NCAA notamment. Et voilà. Donc un très gros CV qui va débarquer à Latte. Elle arrivera en tout cas du côté de février. Ils sont, eux, arrivés pendant cette petite intervention. Cyril Meunier, bonjour, maire de Latte. Excellente année. Je reviens vers vous d'ici quelques instants. Bonjour, président. Bonjour, bonsoir. Excellente année 2021. Qu'est-ce qu'on se souhaite? Qu'est-ce que vous nous souhaitez? Mais je pense qu'avant tout, on va se souhaiter de la santé, beaucoup de santé, et un retour à la normalité, en attendant d'avoir cette salle pleine, parce que ce soir, ça aurait été le cas. Face à un classico, une aussi belle affiche, nos supporters nous manquent réellement, donc beaucoup de santé et un retour à la normalité. Cyril Meunier, on le sait évidemment, la ville, mais également la communauté de communes, Montpellier Méditerranée Métropole, le département, la région ont été aux côtés de clubs tels que le Belema. C'est important évidemment que les collectivités soient présentes et vous n'avez pas fait défaut, c'est le moins qu'on puisse dire. D'abord, permettez-moi de souhaiter une bonne année, une bonne santé et un retour à la normalité, comme vient de le dire le président Mana, à tous les spectateurs qui nous regardent à l'heure actuelle et à tous ceux qui ont le cœur serré. Car soyons très honnêtes, hein, après un Lyon Belema dans une salle vide, c'est pas tout à fait un derby, quoi. Donc on va quand même le gagner, on vous rassure, on va faire en sorte de le gagner. On doit être une petite vingtaine dans le public, donc on va essayer de crier pour tout le monde.
Ceci étant, oui, vous avez raison, les collectivités ont maintenu leur subvention totale, ainsi que les partenaires privés, il faut le dire. Et tout le monde s'est engagé pour la saison suivante à renouveler cette aide, en particulier le président Michael Delafosse, qui a donné un accord de maintien sur plus de 4 ans au BLMA. Donc le sport féminin est une des principales priorités de notre mandat à la métropole. La commune de Lattes, que je représente évidemment en maire, a toujours soutenu et continuera à soutenir. Donc le président que vous avez ici est évidemment troublé avec tout son staff par cette année qui est une année tronquée, mais est rassuré sur le fait qu'on s'inscrit dans la continuité. Et une équipe qui s'inscrit dans la continuité, il n'y en aura pas beaucoup. Parce que la crise est dure, elle est lourde à porter financièrement parlant, mais on considère sur Montpellier, à la métropole et à Lattes, que le sport est essentiel à la survie de tout le monde. Cyril Meunier, on vous sait être un grand fan des gazelles, de sport en général, de basket féminin en particulier. Voilà, pendant que Julien passe tranquillement devant la caméra. Petit, parce que je sais que vous adorez ça, petit commentaire sur ce que l'on vient de voir sur cette première mi-temps. Beaucoup d'engagement. Je pense que si on était un peu plus rigoureux en attaque, en particulier en essayant d'aller à l'intérieur de la raquette, on aurait mis plus de points, on serait plus en sécurité. Moi, vous savez, tant que Valérie Demory dirige une équipe contre nous, je ne suis jamais rassuré. Et il faut avouer quand même qu'ils ont une petite joueuse toute nouvelle là, qui s'appelle Johannes, qui est quand même pas mal du tout. Hein. Une petite jeune qui débute, qui est impressionnante. Elle me fait penser à une certaine époque à Céline, qui, dans les pires moments, nous mettait des paniers qu'on n'entendait pas. Par contre, pour le BLMA, il faut dire qu'il y a un engagement physique aujourd'hui exceptionnel et une défense qui nous sauve. Et une volonté, si vous avez croisé le regard de Romy Berniès, vous avez tout de suite compris que les filles, elles sont volontaires. Moi, je suis très fan de Romy, donc c'est pas à moi que vous me pourrez. Je sais bien. Monsieur le maire, merci infiniment. Monsieur le président, merci beaucoup. Encore une fois, bonne année à vous deux. Et un salut à nos partenaires qui sont derrière nous, qui nous soutiennent. Les collectivités sont là. Mais nos partenaires, nos licenciés, nos fans. Bientôt, on pourra vous retrouver dans enceinte, je l'espère. Merci beaucoup. On l'espère, évidemment. Et vous continuez évidemment à nous envoyer également les vidéos depuis chez vous. Hein. Communication@blma.fr. On vous souhaite, regarder, on a fait une petite vidéo pour vous souhaiter une bonne année. Et en parlant de vidéos, en parlant de ces vidéos que vous faites également chez vous, alors que la deuxième mi-temps va démarrer maintenant d'ici 9 minutes, que nous aurons Thibaut Petit qui viendra évidemment nous donner son sentiment après cette première mi-temps. Regardez cette vidéo, elles sont quelques-unes. C'est le centre de formation. Ce sont les mini-gazelles qui se sont filmées également pour encourager et soutenir leurs grandes sœurs, en quelque sorte, les grandes gazelles. Regardez. Voilà, vous continuez à nous envoyer vos vidéos, tout ceci sur communication@blma.fr. On continuera évidemment à vous les diffuser, notamment sur les temps morts. On se retrouvera à la fin de ce match avec Diandra Tchatchouang, la capitaine du BLMA. On le souhaite évidemment, 45-32. Marie, Gabriel, on n'est jamais à l'abri. On n'est jamais à l'abri d'un retour de l'ASVEL, malgré pour l'instant un score qui nous est largement favorable. Oui, alors les débuts de deuxième mi-temps sont toujours cruciaux sur les matchs. On commence en fait un deuxième match. Donc il y a des équipes qui sont des fois dans une bonne mouvance et à qui la mi-temps coupe les pattes et d'autres inversement. Donc on verra vite, dès les premières minutes, ce que nous réserve cette deuxième mi-temps. Voilà, chose promise, chose due, il est avec nous, il est en train de s'équiper de son masque, évidemment, car tout est respecté ici en termes de conditions sanitaires. Thibaut Petit, entraîneur des gazelles. Alors qui, Thibaut, est-ce qu'on peut dire que tu as passé une bonne première mi-temps, des filles très engagées, parfois un peu trop, on le voit sur le tableau en tout cas, des fautes réalisées, mais en tout cas une bonne première période.
Oui, on gagne les deux premiers quart-temps, c'est important. On a montré de la volonté sur le premier, vraiment aussi. Et deuxième quart-temps, défensivement, elle est limitée à 13 points. C'est ce qu'on doit faire si on veut l'emporter, c'est rester très très dur sur le plan défensif. Si même de temps en temps on donne l'une ou l'autre bête faute, entre guillemets, il n'y a pas de bête faute. Ça démontre l'envie de stopper l'adversaire et on doit l'accepter parce qu'on doit être au combat aujourd'hui. C'est un match combat, on le sait. Un match face à l'ASVEL n'est jamais un match comme les autres, évidemment, y compris dans ces conditions un peu particulières. Quels ont été les mots du coach avant ce match à ses joueuses ? Lyon, c'est l'équipe qu'on a joué le plus sur les dernières années et il n'y a jamais eu vraiment des équipes qui étaient alignées au complet. Et pourtant, il y a toujours eu des vrais combats, des matchs serrés qui se jouent jusqu'à la dernière possession très souvent. Que ce soit pour le BLMA, que ce soit pour l'ASVEL. Et c'était ça aujourd'hui. Peu importe avec qui on allait aligner aujourd'hui l'équipe et eux finalement aussi, c'était être prêt au combat. C'est un combat, c'est un classico et il faut montrer ça, il faut montrer de l'envie. Le classico que vous vivez évidemment ici sur YouTube. Dernière question Thibaut, merci en tout cas d'être venu nous rejoindre. On va te laisser rejoindre les joueuses d'ici quelques instants. C'est un match important et particulier. Pour une fois, eh bien, peu de blessés. Et vous avez eu 10 jours où vous avez pu vous entraîner avec la même équipe. Ça se ressent aujourd'hui sur le terrain ? Oui, on sent déjà un peu plus. On est déjà à 10 passes décisives, ce qu'on avait rarement fait depuis le début de saison. On sent quand même des rotations aussi qui commencent à se faire sur le plan défensif, notamment dans les 7 dernières secondes. Il y a, c'est sûr, aujourd'hui, on voit que la pause ici nous a fait du bien de retrouver Anna Dabovic aussi. Et on n'a plus que 2 joueuses blessées. Oui, c'est un plus et les 10 jours de travail sont positifs. Mais encore une fois, on tient pour le moment 2 cartons. Il faut tenir 4 cartons. C'est une saison très particulière que l'on vit. Qu'est-ce qui est le plus important ? Qu'est-ce qui est le plus difficile pour le coach du BLMA ? C'est de gérer le physique, parce que la préparation physique n'est pas la même, ou de gérer les têtes, parce que forcément, c'est différent, c'est particulier. Seulement 6 matchs joués depuis le début de ce championnat. Qu'est-ce qui est le plus difficile ? Ben, c'est faire attention à tout, et on apprend tous de cette nouvelle situation. On n'avait pas de repères. Il y a revenir après une blessure, mais il y a aussi aujourd'hui pour les étrangers, par exemple, c'est travailler puis rentrer à l'appartement tout seul. Il n'y a plus rien à côté non plus. Il faut savoir gérer aussi cet aspect-là et que tout le monde se sent heureux. Parce que quand on n'est pas heureux, on ne performe pas. Donc il y a pas mal de paramètres à faire attention. Et ici, avec mon staff, on apprend en fait tous les jours de cette situation. On n'est pas parfait, mais on progresse. Merci beaucoup. Merci infiniment, Thibaut Petit. Je récupère ça également, entraîneur donc du BLMA, qui nous a fait l'immense plaisir de venir ici pour nous donner son sentiment, nous faire part de ces quelques mots. C'est jamais évident, évidemment, quelques minutes avant la reprise. Moins de 4 minutes même pour être précis avant la reprise. Je vous rappelle, on retrouvera évidemment à la fin de ce match Diandra Tchatchouang. On retrouvera également Ingrid Tanqueray, la capitaine de l'ASVEL, qui viendra également nous donner le sentiment, quel que soit le résultat. Et puis durant le match, eh bien, on continuera à retrouver vos vidéos que vous continuez d'ailleurs toujours à nous envoyer. Et puis évidemment, vous l'avez vécu pendant la première mi-temps, les commentaires de Marie-Gabrielle. Gabriel, le site BeBasket que vous retrouvez évidemment 365 jours par an. Un match auquel on s'attendait, ce que l'on voit, Gabriel et Marie, est-ce qu'on s'attendait finalement à avoir un 45-32 après la première mi-temps, ou est-ce qu'on était quand même plus habitué hein, jusqu'à présent à avoir des scores un peu réduits? Moi, je m'attendais, au vu de la configuration de l'équipe de Villeurbanne, beaucoup de jeux rapides et de contre-attaques. Donc forcément, ça engendre beaucoup plus de prises de shoot et de points. Mais c'est vrai que pour un match de reprise, il y a quand même de la réussite et de l'envie des deux côtés. Et en tout cas, c'est un match qui est vraiment plaisant à voir. En tout cas, les joueuses qu'on avait remarquées en présentation de ce match, c'est le moins qu'on puisse dire. On avait parlé de Marie-Joannès. Elles sont présentes, elles sont au rendez-vous. Il n'y a pas à ce stade de joueuses, on va dire, qui passent à travers son match. Tout le monde est concentré, tout le monde est présent. On a Kravendakic quand même qui a été bien tenu par la défense des Gazelles. Je pense qu'elle a été ciblée par le staff Hérolté, forcément, puisque c'est une joueuse de grand talent. Et pour l'instant, elle n'a pas réussi le moindre tir. Donc elle a juste marqué sur deux lancers francs. Donc ça, c'est une des réussites de cette première mi-temps des Gazelles. Elle a été bien tenue en début de rencontre par Diandra Tchatchouang. Elle a eu du mal à trouver son rythme.
Et ça va encore être une clé de cette deuxième mi-temps. S'il y a que, quelque part, s'il y a que Joannès et Rincoc qui marquent, au vu de tous les autres talents dans cette équipe, c'est quand même un plus 13 et un bon signe pour l'équipe locale. Alors, on l'a dit, et c'est une des expressions favorites et celle que je préfère de Marie Vicente. Par contre, sur le tableau des fautes, pour le Belema, c'est sapin de Noël. Comment vont-elles gérer pendant ces deux prochains cartons le fait d'avoir déjà un nombre, je crois qu'on est pas loin de 10 fautes on déjà. On est à 10 fautes, 10 fautes sur la première mi-temps. Ouais, de Latte et 6 du côté de... de l'Asvel. Mais ça va être au coach de gérer beaucoup avec des changements de défense, notamment peut-être des passages en zone où on peut être à la fois agressif et à la fois protéger ses joueuses, notamment intérieures. Mais c'est sûr que sur le terrain, les filles ne vont pas compter et que ça pourra vraiment jouer sur le dernier carton. On vous laisse nous commenter ce deuxième mi-temps. Marie, Gabriel, c'est à vous. Merci. Oui, donc c'est faute. Alors, il faut juste souligner que pour l'instant, le BLMA a pas mal de fautes, mais aucune joueuse est à plus de deux fautes. Oui, c'est donc, assez bien réparti. Oui. Voilà, il n'y a pas de joueuse qui a besoin d'être coachée directement. Comme ça avait souvent été le cas la saison passée, on se souvient déjà, l'équipe avait été touchée par les blessures, notamment Stéphanie Mavumba. Et quand elle avait des problèmes de fautes à l'intérieur, c'était problématique, notamment en Euroleague. Là, on n'a pas de joueuse qui est vraiment en full trouble, comme on dirait, outre-Atlantique. Et puis, l'équipe du BLMA est un peu plus étoffée aussi aujourd'hui. Donc, le fait que les fautes, qu'il y ait plus de fautes, c'est moins problématique que du côté de l'Asvel, qui, de son côté, pour l'instant, n'a pas vraiment ce souci. Il y a moins de rotation, c'est sûr. Maintenant, il va falloir éviter de faire des fautes rapidement en début de troisième quart-temps, justement, pour ne pas avoir à gérer cette donnée sur la fin de match. En tout cas, Valérie Domori qui repart directement avec Marine Fotoux, qui a peu joué sur cette première mi-temps. Alors, peut-être qu'il était... un petit peu énervé contre Ingrid Tancré qui avait pris l'option de tirer rapidement sur la dernière possession, ou c'est sans doute du coaching pour essayer de gêner peut-être Julie Allemand qui a réalisé une bonne première mi-temps. Bah, disons, il va relayer les joueuses fraîches pour défendre dessus, donc ça passera forcément par Marine Fautoux. Oui. Ouais, donc première possession pour les Gazelles avec pick and roll côté entre Cheyenne Parker et qui n'arrive pas à attraper cette balle sur ce petit chanterol. Et la passe aveugle en contre-attaque de Marine Joannès, qui, dans son style caractéristique, provoque la faute à 3 points. Donc elle aura 3 lancers francs. Voilà. Marine Joannès qui a priori 3 lancers francs. On n'a pas bien vu avec Lang. On va voir ça tout de suite, de toute façon. Ah oui, je crois que c'était la faute de la numéro 2 et il y aura 3 lancers francs. Par contre, Julie Allemand qui est obligée de regagner vite le banc. Là, on parlait des problèmes de faute. Et bien, c'est sa troisième faute. Donc, tout de suite, Thibaut Petit qui rappelle Romain Berniès sur le poste de meneuse de jeu. Voilà. Là, c'est un coup dur pour Latte. C'est vraiment le maître à jouer. On voit au niveau des statistiques sur la première mi-temps, Julie Allemand et Micha Ayensalen. Ce sont vraiment les deux joueuses qui tirent l'équipe vers l'avant et vers le haut. Avec 13 points pour l'américaine et 11 pour Julie Allemand. Donc il va falloir trouver d'autres solutions. Mais on a vu Romane qui trouvait Damir à longue distance. Donc aux autres latoises à prendre le relais. Et donc 3 lancers francs, il y a bien eu pour Marine Joannès qui a marqué les 3 et l'Asvel qui revient à moins 10. Et un petit main à main. On trouve souvent cette forme de jeu du côté des Gazelles. Un peu statique. Ayensalen qui s'enfonce et avec ses larges épaules qui arrivent à se frayer un chemin. Elle s'est ouvert le chemin en effet. Et donc tout de suite elle remarque qu'on... Mais Rencock est vraiment... je pense qu'elle vise le titre de MVP de la journée parce que là elle est présente sur tous les secteurs, elle a très peu de déchets et elle fait vraiment mal au secteur intérieur là toi. Voilà, elle est capable d'attaquer, on l'a vu plutôt en post-up de provoquer les fautes, mais aussi d'attaquer de face. Elle va vite pour une intérieure, elle est athlétique. Elle défend, elle contre et elle prend vraiment beaucoup, beaucoup de rebonds. Pourquoi c'est une joueuse référencée à un championnat et qui en plus convertit tous ses lancers francs pour le moment. Donc elle repasse sous la barre des 10 points. 47-38. Ayensalen encore,
Situation de pick and roll. On repart sur la même situation que sur la phase de jeu précédente. Elle essaye de s'enfoncer, elle repart encore sur la ligne de fond et elle arrive très vite à remonter. Hein. Et elle marque avec la faute. À la dernière seconde, puisque sur son premier shoot avec le contre, elle n'avait pas touché l'arceau. Et ouais, elle est capable de remonter très vite. Elle est à la fois physique, mais aussi très athlétique. Donc elle a manqué sa première tentative de tir, mais tout de suite, elle a ressauté pour pouvoir capter le rebond. Oui, elle a vite vu que ça n'allait pas rentrer et elle a été présente sur son propre rebond. Et elle provoque, en plus de marquer, elle provoque la troisième faute de Michel Plouffe. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les Latoises. Je ne serais pas étonné qu'on revoie vite Kraven Dakic, poste 4. Marine Fotoux, la jeune meneuse de 19 ans. Allez, 8 secondes, il faut continuer la pression défensive. Marine Fotoux qui sert un Ayuran Kok à mi-distance. Ça devait être un shoot trop facile pour elle. Peut-être commence à sortir un petit peu de sa zone de confort quand elle commence à tirer là à mi-distance. Peut-être que physiquement, elle est aussi un peu impactée par une première mi-temps où elle n'est pas sortie, à part les 20 dernières secondes, je pense, ou les 44 dernières secondes. Cher Cheyenne Parker, attention, cette passe n'était pas bien ajustée à l'intérieur pour Cheyenne Parker. Elle s'excuse à Heinz Allen. Oui, on voit les deux Américaines se chercher. Mais apparemment, la balle serait... Elle aurait été touchée. Voilà, elle aurait été touchée. Donc, Marine Johannes a beau demander la balle. Les arbitres indiquent qu'elle a été touchée, donc... Bon. Elle sera pour l'AT Montpellier et il restera 4,3 secondes pour tirer sur cette possession. Allez, on va chercher un. Toujours une défense individuelle du côté de l'ASVEL Lyon. On essaye de mettre la balle à l'intérieur. Attention, 5 secondes. Il reste 4 secondes. Dabovic qui va devoir se défaire de Sarah Chevaujon. Et c'est pas dedans. Vite le jeu rapide avec l'ASVEL, Marine Johannes. Oui, il n'y a vraiment pas de temps mort entre les deux faces offensives. Emilia Touré qui vraiment arrive à bien gêner Marine Johannes. Après, voilà. Il va falloir l'aider sur les pick and roll. C'est ça. Donc, elle a été touchée, situation de pick and roll. Il n'y a pas eu de collaboration en défense. Après, c'est compliqué si on sort, l'intérieur rentre et elle se retrouve seule. Si on ne sort pas, elle shoot à 9 mètres. C'est pas pour rien que c'est une des meilleures joueuses européennes. Et que cet été aussi, du côté de New York, elle en a fait rêver plus d'un. C'est ça, une vraie vitesse d'exécution, capable de sanctionner si c'est trop bas. Et là, il n'y a personne dans qui elle s'infiltre. Encore une faute provoquée. Hein. Allez, l'ASVEL Lyon qui revient à 8 points. Elles sont dans le match, elles sont dans le match à nouveau. Bon début de troisième quart-temps pour l'ASVEL. Il va falloir faire quelques stops un peu en défense pour les Gazelles. Et attention, nouvelle no-look pass d'Avovic et ballon perdu. Ah, c'est dommage, la passe était bien vue entre deux. Oula ! Oulala, là, ça sert à la pointe anti-sportive. Je pense qu'elle n'a pas apprécié le petit pont. Ouais, la fierté, sans doute. Allez, mais Marine Johannes, qui, voilà, ça vient à deux. Cheyenne Parker, d'Avovic. Et le talent a parlé, on va dire. Donc, faute anti-sportive qui vont donner deux lancers francs directement pour Marine Johannes. Plus la possession et donc l'ASVEL qui était revenu à 8 points qui a une possibilité vraiment de se rapprocher là si revenir à 5 voire voilà, moins. Elle risque d'être à 2 possessions déjà parce que Marine Johannes sur la ligne de lancer franc ça fait souvent mouche. Bon, quand on dit ça généralement derrière ça ne donne qu'un sur deux. Non mais on voit les Latoises se réunir parce qu'elles sentent bien que là c'est un peu un tournant en tout cas sur ce carton, donc il ne faudrait pas que la confiance change de camp et pour l'instant a priori c'est un peu ce qui se passe. Marine Johannes qui est déjà à 19 points, hein. Ça va faire 20 points pour la native de Pont-l'Évêque, la Normande qui réalise vraiment une grosse rencontre, elle aussi n'est pas beaucoup sortie. Mais elle commence à être de plus en plus régulière. Oui, c'était un peu son péché mignon avant. C'est vrai qu'on ne savait pas trop. Qu'elle oublie en défense. C'est vraiment, elle se paye cash à cette faute antisportive. Et donc, l'ASVEL a 4 points. Et Thibaut Petit, tout de suite, qui rappelle la capitaine Diandra Tachong et Julie Allemand pour revenir en jeu. Stopper l'hémorragie, parce que là, c'est vrai que si elle continue sur cette lancée, les Latoises. Voilà, on voit quand même Anna Dabovic qui prend ses responsabilités. Elle a dû être touchée par cette dernière possession, elle doit se sentir un peu fautive et elle a les capacités à tout de suite réagir sur le terrain. Et de toute façon, ce qu'elle a fait, c'est la solution contre Lyon. Il faut aller les provoquer un peu dedans si on veut pouvoir donner aux intérieurs ou libérer les shooteuses extérieures à jouer à 10 mètres, c'est quand même compliqué. Voilà,
Julien Allemand rappelé, malgré ses trois fautes. Elle a assez d'expérience pour, arriver, pour gérer ses fautes, mais c'est vrai que ça va être important du côté latois. On a déjà pas mal changé le 5 hein, du côté des gazelles, avec trois changements sur ce début de deuxième mi-temps. Bon, après, des changements dus aussi aux fautes. Oui. Pas forcément des changements tactiques purs du côté de Thibaut Petit. Il y en aura Tchatchouan qui avait sans doute été préservé sur ce début de deuxième mi-temps. Peut-être aussi pour relancer un peu Anadabovic qui avait fait un bon premier passage. Voilà, qui va sans doute faire beaucoup de bien en défense puisque pour l'instant les gazelles ont pris 13 points en l'espace de 3 quarts temps. Elle qui avait plutôt été plutôt efficace en défense en, en première mi-temps avec une petite adresse au tir pour l'ASVEL, 37,5%, beaucoup de balles perdues. Et c'était un peu moins ça sur ce début de deuxième mi-temps. Oui, puis une moyenne de taille assez élevée du côté de l'AD, puisqu'on a, on a trois joueuses entre 1m85 et 1m90. Donc on espère, du côté de la toile, je pense, bloquer un peu plus le rebond. Mais bon, en place, il y aura toujours Reinkok et Plouf. Donc de beaux duels en perspective. Ouais, Marine Fotoux que, ouais, qui s'infiltre, qui cherchait Reinkok à l'intérieur sur cette petite passe. Heureusement qu'il y a eu la main au passage de Julie Allemand, parce que là, c'est vrai que sinon, c'était deux points. Ouais. Encore de Reinkok. Une ancienne Tarbèze hein, qui est passée chez un poids lourd cette saison, qui prend un peu du temps, c'est normal, à 19 ans, pour trouver sa place. Ouais. Et qui provoque la faute, mais avant le tir, donc ce tir ne sera pas accordé. Ouais, avant qu'elle ne commence son double pas, si ça avait été pendant le double pas, le shoot aurait été accordé. Mais là, c'était pendant qu'elle dribblait pour passer son vis-à-vis ligne de fond, donc on redonne la balle à l'ASVEL Lyon. Ah non, on leur donne deux lancers francs. Ah oui, on a passé les quatre fautes d'équipe. Et oui, ça va très vite. Ça va très vite et c'est la troisième faute du coup de Yandra Tchatchouan. Alors que du côté de l'ASVEL Lyon, elles n'ont que deux fautes d'équipe. Donc là, ça va être encore à gérer du côté des Latoises pour éviter de donner trop de points faciles à leurs adversaires. Et premier lancer franc raté, deuxième réussi pour Marine Fotous qui se met en confiance petit à petit. C'est l'une des clés pour Lyon. Cette année, on a fait le choix de recruter Marine Fotoux au poste 1 à la place de Julie Allemand, donc une très jeune joueuse. Donc on a ce duel devant nos yeux. Voilà, et on va voir si Marine Fotoux arrive tout de suite à être efficace chez un candidat au titre. Et on n'est pas sanctionné là à 3 points. Julie Allemand qui était tout seul. Fotoux qui relance rapidement. Marine Johannes qui va attaquer. Ça switch en défense. Elle se retrouve avec Diandra Tchatchouan qui a trois fautes, attention. Ouais. Mais bonne défense de Diandra qui, avec son activité des bras et son envergure, gêne énormément le tir et rebond défensif. C'est une bonne séquence ça pour les gazelles. Et en plus de l'autre côté, ça donne trois points. Hein, c'est très... Ça fait du bien. Ça fait du mieux qu'il rentre celui-là parce que c'est vrai que ça aurait été compliqué de ne pas faire défendre Lyon et de leur redonner une balle d'attaque. Voilà. Système pour pouvoir trouver une position post-bas de Reinkok et marcher sur son départ direct. Alors ça, aux États-Unis, souvent ça passe. En Europe, c'est moins évident. Elle a levé son pied de pivot avant de lâcher la balle et ça fait marcher. Mais balle perdue aussitôt pour les gazelles. Ah, parce qu'elle est rentrée. C'est ça. Elle a dû rentrer sur le terrain, franchir avant la ligne. Avant d'avoir lancé la balle. Bon, c'est vrai que c'est rageant, des petits détails comme ça. Les joueurs et les coachs n'aiment pas du tout ça. Et... Ce sont des balles données gratuitement à l'adversaire. Là, c'est sûr que à ce niveau-là, Sarah Chevaujean qui drive. Et oui, Julie Allemand qui est venue au contre et qui finalement l'a perturbée. Bon rebond de Marie-Michel Milapi. Voilà, va falloir peut-être chercher une possession un peu plus longue là. Ouais, elle travaille bien Michou contre Plouf sur ses positions intérieures. Oh là là. Quatrième faute de Michel Plouf. Quatrième faute de Michel Plouf. Alors là, on l'a pas bien vu. En tout cas, moi, j'ai pas vu de mon angle ici. Non, moi, je l'ai vu garder les bras droits. Bon, après, l'arbitre a sifflé, donc c'est faute. Mais c'est vrai que voit Valérie Demory qui comprend pas trop pourquoi un arbitre aussi éloigné vient siffler alors que celui qui est juste en dessous ne le siffle pas. Mais bon, chacun a sa zone. Ça se tend un peu et c'est normal. Hein. Il y a beaucoup d'enjeux autour de cette rencontre. Je suis une des seules joueuses intérieures de l'ASVEL Lyon, donc forcément, ça pénalise les Rodaniennes. Voilà, en tout cas, ça casse un peu le rythme endiablé de cette rencontre, ce troisième quart-temps surtout. Mais ça permet aux joueuses de souffler.
Parce que là, c'est vrai qu'il y a quand même des deux côtés du terrain une grosse intensité. Et puis, il ne faut pas oublier que c'est quand même un match de reprise. Donc, s'être arrêté presque un mois, même en ayant repris les entraînements, ce n'est pas pareil que de jouer chaque week-end. Et pas de changement, je pense que... Alors, soit c'est un choix et on verra peut-être une défense de zone de l'ASVEL pour protéger Michel Piouf. Soit Valérie Demoury n'a pas réagi de suite, il y a quatre fautes. Son assistant lui aurait dit. Et là, on voit que là, tu es repassé à 10 points de cette barre un peu symbolique. Voilà, Guy Prat qui vient peut-être glisser à Valérie Demoury. Des ajustements. Attention. Voilà. Et donc Ravendakic qui se lève, évidemment. Donc il y aura un changement logique. C'est compliqué de sortir des joueuses comme ça à 4 fautes parce qu'elles perdent le rythme. On les garde pour les fins de match, mais après on les fait rentrer. C'est pas forcé qu'elles arrivent à se remettre dedans. Oui, il y a l'ASVEL qui fait le choix ces dernières saisons de ne pas trop se renforcer en cours de saison, malgré les blessures, de jouer avec un effectif réduit. Alors elles ont la chance d'avoir un centre de formation performant, des joueuses sur lesquelles elles peuvent aussi s'appuyer sur des rencontres. Souvent, pas forcément contre les duels de haut classé. Souvent, c'est plus facile de lancer les jeunes sur des matchs moins serrés, on va dire. Ah, c'est sûr que lancer une jeune sur un match comme ça, c'est pas forcément lui rendre service parce que c'est vraiment très compliqué. Allez, situation de pick and roll côté, mais l'activité des bras. Et beaucoup de fautes sifflées. Et voilà, de nouveau lancer franc pour Lyon. C'est une faute de Michou. Voilà. Les arbitres ont décidé de se faire un peu respecter sur cette partie du match. Ça a monté en intensité. Ça a monté en rugosité plutôt, si c'est du français. En tout cas, on aura compris l'esprit. Voilà. Et donc, ça donne beaucoup un jeu un peu haché. Et puis là, les jambes commencent à devenir lourdes. Donc, la tête voudrait faire une chose et le corps ne suit pas forcément. Et en tout cas, ça permet à l'ASVEL de recoller petit à petit. Une joueuse comme Kravendakic qui n'a pas beaucoup marqué. Des fois, on peut se relancer comme ça en marquant des lancers francs. Ben, là, en l'occurrence, pas elle l'a celui-là. Raté. Donc, voilà. Mais des fois, on rentre plus tardivement dans son match après des lancers francs marqués. Ça aide. Et Yandra, la capitaine, voilà, qui sert son avantage de taille sur le poste 3 avec Sarah Chevaujon pour marquer à l'intérieur sur ce petit tir crochet main gauche. Tout Par en contre, finesse. Elle doit défendre sur Sarah Chevaujon. Derrière, ce ne sera pas évident pour elle. Allez, Marine Fotoux qui perd quasiment le ballon. Non. Et Sarah Chevaujon, les jambes sont courtes. Les jambes sont courtes, mais Sarah Chevaujon qui a été blessée sur la première partie de saison. Allez, au bout. Oh là là. Non, là, elle en a un peu trop mis. Je pense qu'elle cherchait une joueuse extérieure qui finisse de monter la balle pour la lui donner, mais elle n'a trouvé personne, donc elle est allée au bout. Allez, on va prendre un peu de temps, mais il reste 7 secondes. On cherche le poste bas avec Diana Tchatchouan. Différence de taille. Ça vient aider, donc à l'opposé, il y a Anne Salen. Et c'est sanctionné. Il y a une bonne lecture. Diana Tchatchouan, qu'on pourrait qualifier de glue guy. Alors, pas guy, puisqu'on est dans le basket féminin, mais qui fait un peu tout. Qui a bien lu. Et on voit toute la rage des gazelles qui récupèrent une balle derrière. C'est 3 points plus 12, un ballon gagné. C'est sûr que si elles finissent le carton à plus 15 ou plus 16, la physionomie du match change complètement. Là, elles savent qu'il ne faut absolument pas qu'elles laissent les Lyonnaises remonter. Et deux changements dans la foulée de l'ASVEL. Retour d'Ingrid Tanqueray au poste 1 et Loïc et Monique Macani qui vient sur le poste 3 tenter de gêner Diandra Jachon qui. Elles sont venues trapper, elles ont un peu poussé Diandra. Et Monique Macani qui en rentrant est tout de suite sanctionnée. Alors ça aussi on parlait du respect des arbitres, mais parfois les jeunes il faut se faire connaître avant de se faire respecter par les arbitres. Tout de suite dans une situation post-bas, elle est agressive mais on siffle faute. Alors c'est pas sanctionné par deux lancers francs parce que l'ASVEL pour l'instant n'est pas dans la pénalité. Elles ont quatre fautes collectives, donc à la prochaine faute par contre, ça sera automatiquement des lancers francs. Voilà, des deux côtés maintenant, chaque faute, deux lancers francs pour l'adversaire, donc éviter de faire des fautes entre guillemets gratuites. Il y a une Salen face au cercle, c'est un dragster, c'est un dragster. Elle est très très rapide, c'est difficile de la tenir loin du cercle. Oui, puis souvent elle est défendue par des joueuses un peu de son gabarit, donc c'est compliqué sur son premier pas, une fois qu'elle les a passées, derrière les aides arrivent tard et on voit, elle provoque des fautes. C'est un peu le fer de lance ce soir avec Julie Allemand. L'américaine, 25 ans, qui est une jeune joueuse au niveau professionnel. Une joueuse WNBA déjà accomplie. Très athlétique.
mais qui par contre pêche un petit peu là dans l'adresse au lancer franc. Elle ne sanctionne pas. Allez. Sortie d'écran, attention Ingrid Tancré qui avait vraiment un gros bras. Ah, elle a été touchée, elle restera pour l'ASVEL et sans doute elle a été touchée par un pied, donc ça redonne du temps sur cette attaque. Ouais, on repart sur 14 secondes. C'est vrai que le passage à 24 secondes maintenant pour attaquer a complètement changé la physionomie des matchs de basket. Avant, on serait reparti sur 30 secondes et on se retrouvait avec des scores de 50 à 55 en fin de match. Et là, aujourd'hui, on a le droit à un basket beaucoup plus offensif, beaucoup plus léché, beaucoup plus agréable à regarder. Ouais, plus de tempo. Allez, on va voir peut-être encore chercher... Allez, 10 secondes. Voilà, Julie Allemand qui va demander un pic. Short roll. Attention. Alors, premier à l'arbitre, il y a eu une faute. Ils vont se réunir avec les arbitres pour savoir s'il faut l'accorder. À la base, il avait dit non, mais finalement, ils sont dans l'hésitation. A priori, ce serait sur la pause du dribble. Donc, on attend le verdict, comme voilà. Les joueuses. Il faut savoir si elle a commencé le double pas au moment de la faute ou si elle était encore sur le dribble. Si elle est sur le dribble, le panier ne sera pas accordé. Si elle avait lancé son double pas, il y aura 2 points. La faute qui donnera un lancer franc puisque le panier a été marqué. Le panier est refusé. Mais il y aura quand même 2 lancers francs. Puisque, comme on l'a dit plus tôt, l'ASVEL est entrée dans la pénalité. Elles ont 5 fautes collectives. Voilà, deuxième faute de Marine. Ce n'est que la deuxième faute de Marine Johannes. Et Michou Milapi qui fait plutôt une bonne rencontre. On rappelle qu'elle a souffert d'une rupture du tendon d'Achille en fin de saison dernière, enfin en cours de saison dernière, mais la saison était arrêtée. Puis elle est revenue rapidement. On se remet de plus en plus vite des ruptures du tendon d'Achille avec les progrès au niveau du kiné notamment, rééducation. Et puis elle, les 2-3 semaines d'entraînement là, lui ont vraiment fait du bien puisqu'elle a pu retrouver du rythme et on la sent pleine d'envie et plus athlétique qu'elle ne l'était avant la trêve de Noël. Et ça donne vraiment une option supplémentaire à l'intérieur pour les gazelles qui récupèrent encore un ballon. Et ça finit en contre-attaque avec Romane Berniès. Déjà 14 balles perdues pour l'ASVEL, c'est assez énorme puisque c'est leur moyenne au cours d'un match. Ouais, une nouvelle faute de Romane, c'est dommage, elle a voulu taper la balle par derrière sur le départ, sur le dribble de Marine Johannes et là ça lui donne 2 lancers francs. Il y a quand même plus 13 pour les Latoises, donc à 2 minutes de la fin du troisième quart-temps, elles arrivent à garder cet écart. Elles sont plutôt bien après un passage où l'ASVEL est revenue. Ça fait un peu le yo-yo, mais on sent quand même de la sérénité, plus de sérénité que... Un peu plus d'alternance dans le jeu aussi, intérieur, extérieur, et ça paye. Voilà, sans doute aussi les 10 jours d'entraînement collectif ont vraiment joué là-dessus. Et... Voilà. Si on cherche au poste bas, Diandra Tchatchouang, sur Monique Magani, elle fait quand même une dizaine de centimètres de plus. Ça va venir doubler, elle va sans doute chercher à l'opposé. Non, ça vient pas, et elle marque avec la faute. Et voilà. Alors... On pourrait se demander. Ouais, elle a enroulé. A priori, l'ASVEL Lyon demande presque une faute offensive de Diandra qui aurait un peu enroulé son défenseur. Elle a mis son petit bras droit, son bras gauche, pardon. Mais on voit la bonne lecture de jeu des Latoises. Elles ont cherché le mismatch. C'est ça. Diandra Tchatchouang a fait signe qu'elle a eu l'avantage. On est revenu sur le côté pour la servir et pour l'instant, elle sanctionne. Beau passage de la capitaine de l'équipe, l'internationale française. C'est sur ces lectures de jeu où les Latoises auront des bonnes positions en attaque plutôt que des shoots précipités ou trop lointains. Voilà, et c'est sa longueur de bras qui gêne encore là le tir de Kravendakic. Ça va toujours pas pour la Serbe. C'est une joueuse de Sopron. Super. Et voilà, la petite coupe au bon moment de Heinz Allen, le bon jeu sans ballon. Elles étaient presque à 3 sur Diandra, donc forcément ça libère des espaces. Et très bonne lecture de l'américaine qui est rentrée proposer ici une solution. Et si elle met son lancer franc, ce sera un panier à 3 points. Voilà, parce qu'il y a la lecture de Diandra qui donne la balle au bon moment. Mais s'il n'y a pas de mouvement autour, s'il n'y a pas de solution, elle ne peut pas faire cette passe décisive. Et donc la joueuse
américaine arrivée au bon moment. Et on a Chachon qui continue. 17 points d'écart, on n'a jamais vu un aussi gros écart. On n'aurait pas pensé que ça puisse arriver pendant ce match avant. Ouais. On va sans doute chercher des Marine Johannes qui va sans doute essayer de prendre le jeu à son compte. Là. Voilà, son tir caractéristique sur un pied, les tirs. Les appuis décalés. Voilà, Luka Doncic pour les fans de NBA et d'Euroleague aussi. Belle lecture. Elles ont le temps à 3 secondes. Voilà. C'est vrai que c'est de moins en moins sifflé. C'est rare, on est toujours surpris. Mais bon, ça reste une règle du basket et c'est vrai qu'il y a une année, il y a eu des consignes où on ne comptait presque plus les 3 secondes et c'est vrai que c'était compliqué parce que ça ressemblait à du camping dans la raquette. Et là, c'est le premier qui est sifflé du match, ce sera peut-être le seul, mais bon, en attendant, il tombe pas forcément au meilleur moment pour les Latoises. Allez, 50 secondes avant la fin du troisième quart-temps. On retrouve les valeurs sûres, Hancock à l'intérieur. Et Kravendakic qui marque enfin à 3 points. Faudrait pas qu'elle rentre en confiance pour les Latoises. On est peut-être venu aider trop côté ballon sur le post-up de Hancock. Et on réclame le flopping sur la petite tombée de Monique Madakani. Belle service à l'intérieur. Qui régale sur ce troisième quart-temps. J'ai l'impression qu'il y a une faute technique qui a été sifflée à la joueuse lyonnaise. Ouais. Alors le panier en tout cas est accordé. Oui, faute technique. Faute technique. 24, donc un lancer franc. Alors, je pense que le fait qu'elle soit tombée quelques secondes plus tôt et qu'elle retombe juste après sur cette situation, ça a poussé le corps arbitral à lui siffler cette faute. Alors est-ce qu'elle aura pris 2 fautes, j'imagine ? Parce que normalement, en dessous du petit demi-cercle qu'on voit sous les paniers, au-delà, on ne peut pas siffler de faute offensive. Ouais. Alors, du coup, il y a le lancer franc de la faute technique qui n'est pas marqué. Alors c'est particulier parce que Einsalen a tiré... Bon, d'accord, bon... Il y a parfois des petites subtilités. Voilà. Donc le staff de BLMA ne comprend pas puisqu'il y a une faute technique et il pensait qu'il y avait l'N1 sur le tir, c'est-à-dire qu'il y avait la faute pendant le tir. Apparemment, il y aurait juste une faute technique et le panier, ce qui explique que le seul lancer franc. Alors, Ingrid Tancrey à mi-distance, c'est un peu un tir difficile pour elle. Voilà, il faut tirer. Et le buzzer beater par Einsalen. Et là, Ingrid aurait pu attendre la toute dernière seconde pour shooter. Ça donne 3-4 secondes pour les Latoises pour un dernier shoot. Alors celui-là, on est d'accord, c'est de la chance. Mais c'est vrai qu'en lecture de jeu... Et c'est la deuxième fois qu'Ingrid Tancrey fait ce choix de tirer vite sur la possession. Alors la première, autant elle avait marqué, mais derrière, ça avait donné un panier. Et là, elle a raté en plus 3 points, qui sait. Allez, une petite vidéo, j'ai noté, on fait du camping dans la raquette. Ça, c'est, je prépare un petit best-of. Avec la tente quechua. C'est ça, des expressions de Noël, le camping, il y a tout ce qu'il faut. Vos vidéos, on va retrouver, celui-ci, c'est un... oui, lui, c'est un fan de chez fan, Frédéric Rouquette, qui s'occupe de Art et Fenêtre, qui est partenaire depuis très longtemps au BLMA. Regardez, c'est la vidéo de Frédéric Rouquette qui nous a été envoyée, qu'il nous a envoyée. Bon, les gazelles, on est ravis de vous retrouver ce soir face à Lyon. On aurait préféré vous voir au bord du parquet, mais c'est pas grave, on est là pour vous soutenir. Toute équipe a récupéré les mobilisés ce soir d'ailleurs pour vous soutenir, pour vous pousser dans ce match face à Lyon. Cette équipe si particulière, donc on n'a pas joué, on n'a pas gagné. On a fait envie, c'est pour tout cas la fin du match. La jambe terrible, le lion est mort ce soir. Voilà Frédéric pour ce message qu'il nous a envoyé sur communication@blma.fr. Vous continuez évidemment pour les prochains matchs. On a également d'autres rendez-vous. Je vous en reparlerai à la fin de ce match où on retrouvera Diandra Tchatchouang. On retrouvera également Ingrid Tancrey, capitaine également de l'ASVEL. Pour l'instant, 75-56. Il nous reste quelques secondes, quelques minutes dans ce deuxième quart-temps. Dans ce troisième quart-temps avant le quatrième. Là, pour l'instant, on peut dire que le positif est plutôt du côté du BLMA. Il est largement positif, 19 points de différence. C'est largement positif, 19 points de différence. Je pense que personne n'aurait pu parier dessus. Alors, c'est vrai que l'effectif de l'ASVEL Lyon
est raccourci par l'absence notamment de ses joueuses intérieures. Mais du côté latois, on a su s'adapter, on a su jouer sur les points faibles de l'ASVEL. On a vu notamment Diandra faire des post-ups sur des joueuses plus petites. Elles ont une meilleure lecture de jeu et pour l'instant, ça paye. Et puis un énorme carton d'Ain Salen. On s'en était pas rendu compte, mais elle est à 28 points. Elle a mis 15 points dans ce troisième carton. Elle a pris 5 rebonds. Elle est déjà à 30 d'évaluation. Le seul petit péché, c'est les lancers francs, 2 sur 6, mais vraiment, elle a fait un énorme carton. On peut Diandra, lui pardonner, oui. Voilà, Diandra, comme vous l'avez dit, 5 points, 3 passes décisives sur le court passage qu'elle a eu. Elle a vraiment changé un peu la physionomie des débats sur ces séquences. On voit un peu moins, justement, Raincock. Enfin, il suffit que je dise ça pour... voilà. Et qu'elle marque avec la faute. Ça doit être son 3 ou 4e N1 de la soirée. C'est difficile, hein. Elle est tellement dense physiquement. Elle paraît pas comme ça, mais elle a vraiment surtout une rapidité d'appui quand elle commence à travailler sa joueuse qui défend dessus. C'est très très compliqué. Ouais. Et puis elle a une grande envergure. Ouais. Je serais pas surpris de l'avoir accroché le cercle. Hein, si, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes joueuses qui arrivent à dunker, qui s'essayent en tout cas. Et je pense que... Oui, ce qui peut gêner les joueuses très athlétiques aujourd'hui, c'est d'arriver à prendre la balle à une main. Mais pour le reste, oui, ça va de plus en plus haut et de plus en plus vite. Allez, situation de pick and roll côté. Voilà, un petit UCLA cut. Et Julie Allemand qui est en sortie d'écran. Crée ça le décalage. Change beaucoup sur les écrans. Et Diandra qui n'a pas trop mis les jambes là sur ce tir. Il y avait un bon drive and kick. Hein. Julie Allemand qui avait attaqué, c'était venu refermer sur elle. Et on a été ouverte. Mais un peu trop statique peut-être, oui. Voilà. Ça a été une bonne séquence défensive des Lyonnaises. À voir si elles arrivent à retrouver le même rythme en attaque. Mais pour l'instant, c'est en faveur de... Et balle perdue de Marine Johannes. Ça fait beaucoup, beaucoup de balles perdues ce soir pour Vous en avez déjà perdu 10 à la mi-temps, ouais. Alors qu'elles en perdent en moyenne 14 sur un match. Donc ça se paye en fin de match. C'est la 16e déjà. 16e. On va prendre du temps du côté des gazelles. Là, on est vraiment en confiance, je pense. Attention, on ne va pas se déconcentrer. Et oui, il y avait Shelley Parker qui était un peu seul sous la raquette. Il ne faut pas perdre le rythme. Il ne faut pas croire que ça y est, c'est fini. Il faut continuer à jouer. En plus, ça serait une belle victoire de référence. Ça serait le renouveau pour le BLMA après une année 2020, une fin d'année 2020 difficile. Donc, ça serait bien d'aller chercher une bonne victoire, de finir sur une bonne note. Avec un basket de qualité. Et de bien commencer l'année. De toute façon, on l'a senti hein, que cette grosse trêve hivernale allait un peu relancer les dés pour tout le monde. Et cette deuxième partie de saison, avec des équipes plus, des effectifs complets, avec un peu plus d'entraînement collectif, ça va un peu redistribuer les cartes. Pour l'instant, Bourges est invaincu, mais on sent bien que c'est un championnat où tout le monde peut battre tout le monde. Le décalage et Heinz Allen qui est encore présente au rebond. Il va peut-être falloir mettre du rythme du côté de l'ASVEL, hein, prendre un peu des initiatives, des risques. Mais c'est un peu à double tranchant parce que des risques aussitôt avant la fin du match, ça peut permettre aussi à l'AD de continuer à creuser l'écart. C'est pas évident. En tout cas, Sarah Chevaugeon s'est faufilée sur la ligne de fond. Elle a marqué un petit layback. Alors, elle va sortir fort 14. Maintenant sur les pick and roll, hein, les Lyonnaises. Mignane Touré. Et qui manque la cible à 3 points, mais. Elle est présente au rebond offensif, encore une deuxième chance pour Latt. Souvent on appelle un système corne après une deuxième chance parce qu'on n'a que 14 secondes pour tirer. Il faut trouver vite une solution. Shane Parker, et ça rentre pas. Allez, on relance vite pour l'ASVEL avec Sarah Chevaugeon. Allez, rebond. Là, on sent que ça commence un peu à peser sur tous les organismes et que les jambes sont lourdes. Ah, une Salen qui demande à Julie Allemand de prendre son temps. Ah, étonnamment, pas de pied sifflé, mais c'est vrai que c'est le dribble qui allait vers le pied. Non, il est involontaire, voilà, elle a dribblé sur le pied de l'adversaire. Et attention, parce que ça aurait pu faire mal, hein, celui-ci. Ça aurait pu relancer l'ASVEL, mais elles prennent quand même le rebond offensif. Allez, 8 secondes à tenir en défense pour les Latoises. Marine Johannes. Et voilà, on ne sait pas d'où ils sortent ceux-là, ouais. Mais dans les highlights de cette journée de championnat, elle va y figurer à plusieurs reprises. Ça se sentait, et Thibaut Petit qui tout de suite arrête le jeu après ce retour à 12 points de l'ASVEL. Et oui, ça va vite, ça va très vite. On n'a pas trouvé des bonnes solutions en attaque du côté
les gazelles hein, sur ses premières possessions de ce quatrième quart-temps. Pardon. Et ça a donné du jeu rapide pour l'Asvel. On va voir un peu si on a le droit à des changements de défense maintenant. Voilà. Allez, il va falloir retrouver les formes de jeu, peut-être essayer de retrouver des situations qui ont fonctionné jusqu'ici. Un peu plus de position intérieure. Voilà. Provoquer des fautes du côté de Villeurbanne. C'est un peu la situation du BLMA cette saison, c'est que ce n'est pas forcément les postes 5 qui vont venir poster. Cheyenne Parker est un peu une stretch 5, comme on dirait, c'est-à-dire une poste 5 qui s'écarte. Parce que Voilà. On a vécu une période où les postes 4 sont mis à s'écarter. Maintenant, tout le monde, évidemment, s'écarte au niveau du basket moderne. Mais aussi, maintenant, les postes 5 s'écartent. Donc, à la fin, on ne sait même plus qui mettre dedans. Voilà. Quoi. Et donc, on trouve des extérieurs souvent pour venir poster, comme on l'a vu avec Deandre Strong plutôt. Après, Deandre, sur beaucoup d'équipes, les gens la positionneraient en 4, donc ouais. C'est vrai qu'à 1m86... C'est ça, c'est une twinner. Elle peut jouer en 4, elle peut jouer en 3 sur deux positions. Puis souvent, elle a l'avantage de taille quand elle est défendue par des postes 3, et c'est ce qu'on recherche. Allez, 14 secondes du côté de la toit. Les Lyonnaises sont voilà restées... Voilà, elle a splitté le pick and roll, c'est joli. Et voilà, Cheyenne Parker, comme on le disait, qui s'écarte et qui tire à 3 points. Et toujours pas d'adresse sur ce début de quatrième quart-temps. Et Cheyenne Parker dans le deuxième temps, non, toujours pas. Trois rebonds offensifs du côté latois, mais pas de réussite derrière. Attention, Johannes, là, elle peut être en confiance après le panier qu'elle a mis. Une joueuse de série. Et technique d'Anna Dabovic qui va être exclue, puisqu'elle a eu une faute antisportive plus tôt dans la rencontre. Faute technique maintenant, donc elle va devoir quitter l'équipe. Et faute, normalement, la TAP va l'appeler. Ça va être fini pour Anna Dabovic aujourd'hui. Elle s'est laissée tomber, un peu comme on a vu avec Monique Macani. Flopping, voilà, la table voilà. Qui l'appelle. Je pense que même elle n'est pas au courant qu'une antisportive est. Voilà, il demande le changement, le corps arbitral demande le changement. C'est Deandre Tchatchon qui va sans doute revenir. Voilà. Donc le corps arbitral prévient Thibaut Petit. Une mauvaise nouvelle, hein, parce que bon, il reste 6 minutes et le match est loin d'être terminé. Oui, c'est une joueuse d'expérience qui a su, malgré le fait qu'elle revienne de blessure, montrer qu'elle trouvait un peu des intervalles et ses coéquipières. Donc c'est un coup dur pour Latte et surtout ça fait un lancer franc pour Lyon et une nouvelle possession. Voilà. Donc ça leur permettrait de revenir en dessous des 10 points et 10 points en basket, c'est rien. C'est ça, surtout avec le talent qu'il y a. Tout à l'heure, ça a été sanctionné. Hein. Quand il y a eu une faute antisportive, on se rappelle, 4 points encaissés dans la foulée. Là, il y a un point qui est marqué, puisqu'après une faute technique, il n'y a qu'un lancer franc. Et voilà, on demande à Anna Dabovic de rejoindre a priori les vestiaires. Ouais. Elle va peut-être nous suivre sur la télé. Non, YouTube. Mais c'est dur pour elle. C'est dur quand on revient de blessure et qu'on a envie de bien faire. Surtout qu'elle réalisait plutôt une bonne prestation jusqu'ici. Marine Johannes qui. Mais c'est voilà, le fait que le corps arbitral bonne vous connaisse, passe. C'est un peu à double tranchant. Et attention, rebond défensif. Ah, ouf. Voilà, ça fait du bien ce rebond de Cheyenne Parker. On ne revient pas sous les 10 points. Il va falloir mettre un peu la main sur la balle là. Hein. Voilà, appeler un système long. Bonne lecture à l'opposé pour Julie Allemand. Et oui, Cheyenne Parker, elle aurait l'avantage physique sur son défenseur, mais on voit Plouf qui flotte un peu justement pour venir aider. Oh, gros tir de Julie Allemand. Elle a reculé. Marine Fautoux s'est pas venue agressivement et puis elle est capable de dégainer de très loin. Elle a reculé, mais elle n'a pas tremblé. C'est ça, et derrière, c'est un Chevaujon qui ne répond pas. Attention, est-ce qu'elle va porter l'estocade? C'est un pour. Bonne lecture sur ce drive and kick. Et c'est dedans. Et voilà. 6 points en très peu de temps. Très très grosse séquence là, ça de Julie Allemand. Ouais. Qui a bien lu. Hein. C'est venu refermer dans la raquette. Elle a ressorti Deandre Tchatchon cette fois. Elle a mis un peu plus les jambes et c'est filoche.
Et oui, et les Gazelles repassent avec 17 points d'avance. Donc c'est sûr qu'à 5 minutes de la fin du match, ça les rend plus sereines. Encore une belle activité des bras de Julie Allemand. Vraiment omniprésente, hein. Très très grosse joueuse. Elle met l'avant-dernier 3 points, elle fait la passe décisive à Diandra. Voilà, c'est pas pour rien que le staff Latois l'a fait venir. Et à ce jour, elle répond vraiment à toutes les attentes, voire plus. Encore une jeune joueuse, hein, Julie Allemand, qui n'a que 24 ans, hein, faut pas l'oublier. Après, il y a vraiment une tradition de meneuse de très haut niveau à Latte. On se souvient d'Anaëlle Lardy il y a quelques années. Edwige Lawson, on n'en parle même pas. Attention. À l'intérieur, c'est un peu difficile. C'est dense, hein, faut dire, physiquement, sous le cercle. Ça envoie du bois. Hein. Il va y avoir quelques poches de classe de distribuer après le match. Marine qui va attaquer cette match-up favorable. Là, elle essaye de. Mais Diandra qui défend très fort. Oui, puis elle sait rester à distance pour éviter. Belle activité de se faire passer. Des mains là de Ainsalen qui récupère le ballon. Mais on voit Ainsalen qui est physiquement. Et voilà. Miniatouré. Temps mort de Valérie Demory. Là, c'est 19. Sûr, il faut stopper l'hémorragie. On a retrouvé l'écart de la fin du troisième quart-temps avec cette contre-attaque conclue par Miniatouré. Miniatouré qui vraiment réussit parfaitement son intégration dans le collectif des Gazelles. Belle recrue Héroltès. Et la prochaine recrue qui va arriver, ça va être encore autre chose. Ça permet en tout cas une fin de saison absolument exceptionnelle. Vous continuez à nous envoyer vos messages sur communication@blma.fr. Et c'est Philippe Andrieux, bénévole émérite, un grand bénévole au sens propre comme au sens figuré. Regardez, il nous a lui aussi laissé son message. Bonsoir les gazelles, je vous souhaite une excellente année que j'espère remplie de merveilleux moments sportifs et de plein de victoires. Et quoi de mieux pour commencer cette belle année qu'un derby classique Lyon-BLMA. Et on est certain que vous allez gagner, que ce soit sont les gazelles qui vont manger les lyonnes. Donc bon courage, on est tous derrière vous malgré le fait qu'on ne puisse pas être au Palais. On pense très fort à vous, on vous encourage comme si on était là. Comptez sur notre soutien et à très bientôt au Palais. Alors non, Philippe ne s'est pas lancé dans Koh-Lanta, hein. Ça a bien été tourné à Latte. Je vous confirme, on retrouve pour les moins de 5 minutes à jouer dans ce dernier quart-temps. Marie Vicente, Gabriel Penteljouve, quel plaisir de revoir Latte à ce niveau. Ah oui, clairement, c'est... Pour l'instant, une performance complète de la part des Gazelles qui mène de 19 points contre une équipe quand même qui arrive certes diminuée mais qui est restée sur 5 victoires de suite. Et puis une équipe qui prépare l'Euroleague puisqu'il y a un deuxième hub. Hub, c'est les bulles sanitaires, les fameuses, maintenant on est habitué en Euroleague. Donc elles vont jouer 3 matchs de suite en Euroleague dans 10 jours et elles ont besoin elles aussi de monter en puissance. Et donc face à cette équipe, pour l'instant, Latte domine de la tête et des épaules. Quand on voit une équipe latoise comme ça, on se dit qu'elles peuvent viser sans fausse prétention le top 4 sur la saison. Ouais. Ça, en tout cas, ça va sans doute lancer un nouveau visage de cette équipe. Comme on l'a dit, en plus, il y aura un petit réajustement dans l'effectif. Ah bah là, le réajustement va juste être de très très haut niveau. Après, il faudra lui laisser un peu de temps pour s'intégrer. Mais la joueuse américaine qui va arriver va sûrement faire parler d'elle et va faire beaucoup de bien au championnat français qui est déjà un des plus relevés au niveau européen. Oui, alors on rappelle, Nafissa Collier va arriver. Donc elle va remplacer Cheyenne Parker dans l'effectif. Cheyenne Parker qui est en fait la pigiste médicale d'Anna Mara-Philippe qui est une poste 5. Donc Nafissa Collier va jouer au poste 4 et ça va permettre d'avoir énormément de densité dans le secteur intérieur avec en plus Marie-Michel Milapi. Oui, en universitaire, elle avait été élue meilleure défenseuse, donc on s'attend vraiment à une joueuse complète. On l'a vu sur les images, très longiligne, très athlétique. Ça va être tout à fait dans le style de jeu des Latoises et ça va être un énorme plus. C'est ça, une joueuse qui va pouvoir défendre sur énormément de positions. On sait que dans le basket moderne, il faut être capable de tenir les grandes comme les petites. Donc, et puis de faire du bien au niveau du rebond, sans nul doute. Et donc, Marine Fotos qui essaye d'attaquer Diandra Tachong, mais ce n'est pas forcément des match-up favorables. Hein. Des fois, on se dit, bon, on est une petite arrière, on a Diandra Tachong qui défend, c'est plutôt une grande, on va essayer de l'attaquer sur la mobilité, mais sauf que Diandra, elle arrive avec sa vitesse de pied à rester entre la joueuse et le panier, elle a une activité des bras énorme. Et là, elle a surtout l'intelligence de rester à bonne distance pour éviter de se faire passer sur un dribble et gêner les shoots éventuels. Donc voilà, et
elle patiente. On va chercher Julie Allemand, là, sortie des crampes. Bonne lecture encore de Yandra Tchachuang et ça va. Et oui, elle était défendue par Marine Fautou. C'est ça, on est sorti très haut sur Julie Allemand sur la sortie d'écran. Et donc, Ayn Salen était un peu toute seule à l'intérieur, mais elle a raté ce petit tir, ce petit hook shot, ce petit rencrochet. Voilà, un petit peu de manque de mobilité. Attention, du côté de Lyon. Pas d'oubli, dans le dos de la défense, Nayo Rodcock. Il faudra tirer, il reste 3 secondes et ça va donner une nouvelle. Et une nouvelle balle perdue. La Svel repoussée loin. Là, j'ai quand même l'impression que les joueuses lyonnaises commencent à fatiguer. On sent qu'il y a eu moins de rotation. Elles ont fait une grosse présence défensive, des fois dès le tout terrain, dès le début du match. Donc là, ça commence un peu à se ressentir. Et c'est dommage, on aurait bien aimé voir cette jeune joueuse lituanienne. Ouais. Alors peut-être, là, il reste 2 minutes 25. Je crois que c'est l'Asvel qui appelle le temps mort. Hein. On voit un peu Valerino Mori résigné. Mais bon, on connaît, il a de l'expérience. Hein. Il sait que c'est un match dans une longue saison, même si cette saison est un peu particulière et que toutes les victoires en saison régulière risquent de compter. Il reste 2 minutes. Peut-être va-t-il ouvrir son banc pour faire souffler les joueuses 4 qui ont énormément joué. Bon, après, c'est sûr que pour le mental, il aura envie de réduire la différence de points. Oui, parce que, admettons, il y a le point Averrage qui pourra entrer en ligne de compte. Hein, le BLMA a encore beaucoup de matchs. Elles peuvent remonter au classement. Elles ont un bilan négatif, mais elles n'ont que 4 défaites. Oui, elles n'ont joué que 6 matchs. C'est le 7e. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il en reste énormément de matchs à jouer. On voit un beau jeu collectif s'instaurer, une présence physique, et là avec la prochaine recrue, ça va encore monter d'un cran. Donc une deuxième partie de championnat qui va être très très intéressante à suivre. Voilà, je regardais Nayo Rodcock qui a joué 35 minutes, Marine Johannes 34 minutes, alors qu'on sait que le calendrier va être chargé, les matchs vont s'enchaîner, comme on l'a dit, bientôt. Et qu'elles ont l'Euroleague. Voilà, Lyon va se rendre à Prague pour ce fameux hub, elles ont un bilan équilibré dans ce. Pour l'instant, en Euroleague, 2 victoires et 1 défaite, si je m'abuse. Je dis que pour l'instant, erreur. Elles n'ont pas annoncé de nouvelles recrues, au moins pour faire un peu tourner les joueuses cadres. Ouais. Peut-être comme pour l'Asvel masculin, Tony Parker a sorti le chèque pour faire venir un joueur d'Eric Walton. Peut-être qu'elles feront de même, surtout s'il est blessé, se prolonge en arrêt. Justement, voilà, on parlait de la jeune lituanienne. Elle arrive sur le banc. Voilà, Justé, Yosité, joueuse qui est née en 2005. Notez bien, en 2005, oui, vient de Lituanie. Elle est dans sa 16e année, elle commence tout juste sa 16e année. Elle devrait jouer en U16, c'est-à-dire 16 ans et moins. Bah alors U18 hein, pour la catégorie d'âge, mais c'est une joueuse U16. Et elle a déjà une expérience. Ça fait plus d'un an maintenant qu'elle s'entraîne avec l'équipe de Lyon. Elle a fait des entrées en LFB régulièrement maintenant. Et d'ailleurs, c'est une de ses coéquipières, non? Il me semble, oui. Du côté de là, qui est compatriote, qui est rentrée. Donc, la filière lituanienne, puisque maintenant il y a des agents français qui ont des bonnes relations. C'est un gros pays du basket, c'est sûr. Hein. Voilà. Et le basket lituanien qui est très réputé, bien sûr, et notamment l'équipe masculine qui commence vraiment à développer le basket féminin. Et à s'exporter, surtout. Voilà, et donc on voit que Tony Parker fait un peu comme sûrement du côté masculin. On prend les jeunes joueuses pleines de potentiel, on les signe sur plusieurs années. Voilà, avec l'académie. Voilà. Et puis surtout avec un projet d'intégrer l'équipe 1. C'est vrai que pour ces joueuses-là, c'est vraiment un plus et ça leur ouvre les portes sur l'Euroleague. Et puis il faut le dire, hein, la Ligue féminine est le meilleur championnat féminin national d'Europe. Du moins, en tout cas, un des plus équilibrés. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que tous les matchs sont difficiles. On a encore vu Olivia Epoupa signer à Charnay pendant la trêve. Alors Charnay, c'est une équipe qu'on respecte évidemment, mais c'est une équipe qui joue plutôt le maintien. Et Olivia Epoupa, la meneuse titulaire de l'équipe de France, on pouvait s'attendre à ce qu'elle rejoigne par exemple l'Asvel, qui aurait bien besoin peut-être de renfort au poste 1, mais non. Elle a finalement rejoint Charnay après avoir refusé quelques offres plus tôt de gros clubs. Et finalement, donc ça a densifié encore un peu plus le championnat. C'est sûr que c'est fini l'époque de Bourges et Valenciennes qui mettaient en moyenne entre 20 et 30 points aux autres équipes. Là, aujourd'hui, on a un championnat qui est ouvert, qui est de haut niveau, où tout le monde peut battre tout le monde. Et c'est vrai que c'est ce qui en fait tout son attrait. Et Nabala Fofana qui rentre elle aussi. Elle n'était pas encore rentrée en jeu, la jeune intérieure. Hein, Mais elle ne se coupe pas, elle y va. C'est ce qu'on aime voir chez les jeunes, c'est qu'elles tentent, qu'elles prennent des risques. De toute façon, elles n'ont rien à perdre. Voilà. Et c'est ce qui les fera grandir dans le jeu.
On a ici Elia Kavi qui est rentré en jeu du côté des Gazelles. Donc on a trois, on a deux joueuses du centre de formation qui sont rentrées. Nabala Fofana qui est une joueuse professionnelle à part entière mais qui pour l'instant n'a pas été responsabilisée ce soir. Donc oui, elle a tout juste 20 ans, c'est sa troisième saison il me semble. Voilà, elle joue à Nantes Rezé avant. Voilà, elle devait avoir un peu plus de temps de jeu sur Nantes-Rezé, mais c'est sur des équipes comme là, tous les jours, elle va apprendre aux entraînements et elle grappillera ses minutes le samedi. Et aujourd'hui, de toute façon, le championnat français cherche ses joueuses françaises intérieures, donc elle a l'avenir devant elle. C'est ça, et puis la concurrence, c'est vraiment élevé là, avec le retour de toutes les joueuses à l'AT. Donc pour elle, ça va être à la fois intéressant aux entraînements de côtoyer elle apprendra beaucoup, oui. Mais évidemment, il va falloir être efficace en match pour pouvoir retrouver un peu de temps de jeu. Allez, il faut bien finir ce match. Il y a plus 16. C'est pas bien mal. Finir, ne pas se blesser. Voilà. Il y a Kavi qui a tenté sa chance. La joueuse de Damien Leroux qui gère le centre de formation du BLMA. Voilà, on applaudit, il va rester une possession. Est-ce que Lyon va choisir de shooter? Visiblement, oui. Et attention, elle va peut-être régaler sa jeune coéquipière. Voilà. Ah. Enfin, remarque, je comprends qu'elle n'ait pas shooté devant Rencock. Ouais. Et voilà, victoire des Gazelles, 86-70, la première victoire pour ce premier match de l'année. Une belle victoire. Elles auront mérité leur galette des rois. C'est ça. C'est ça, une victoire amplement méritée. Oui, ça fait plaisir de voir l'AT revenir à un tel niveau avec de l'envie, avec de la présence défensive surtout, ce qu'on n'avait pas vu lors des derniers matchs. Elles arrivent quand même à contenir l'ASVEL à 70 points, alors que jusqu'à présent, elles en encaissaient plus de 74 par match. Et une victoire collective, comme l'a souligné Thibaut Petit, il y avait 10 passes décisives à la mi-temps, chose qui était assez rare sur ce début de saison. Là, il y a 20 passes décisives à la fin, il y a participation de beaucoup de joueuses. Anne Salen, évidemment, 28 points. On a Julie Allemand 14, Yandra Chachuang 11, mais aussi beaucoup de passes décisives. Voilà, une performance collective qui fait du bien, je pense. On voit beaucoup de sourires là et ça va lancer une nouvelle saison. Et oui, le dernier match à domicile contre la Roche-sur-Yon avait été compliqué. Elles avaient tout donné, mais ça n'avait pas payé. Et là, on les voit enfin heureuses d'arriver comme à se libérer, d'enlever cette chape qu'elles avaient sur les épaules. Et elles savent que les prochaines semaines vont être plus légères et plus intéressantes pour elles. Toujours plus facile de revenir le lundi à l'entraînement après une victoire. On a moins mal aux jambes, c'est sûr. On a moins mal aux jambes et on a plus envie. Et puis surtout, elles savent qu'elles vont enchaîner les matchs puisqu'elles en ont en retard. Qu'elles vont avoir sûrement Anna-Philippe qui va revenir. Donc, voilà, alors on va peut-être avoir droit au fameux clapping, non habitué, que ce soit d'ailleurs pour l'ASVEL après des victoires ou pour l'AT. C'est rentré un peu dans les mœurs après les victoires en sport. Et oui, c'est vrai, normalement c'est un moment qu'elle partage avec les supporters, mais bon, voilà, bon, ça fait partie de leur rituel. On a vu Anna revenir des vestiaires. Voilà, on va avoir le clapping face caméra, comme ça on va remercier les fans qui suivent. Moi je ferai un petit aparté pour... les joueuses du Saint-Gilles Basketball, l'équipe U13 qui suit bien la rencontre ce soir. Donc voilà, club partenaire du BLMA. Voilà, regardez, chez vous, vous allez pouvoir également faire le fameux clapping. On vous laisse être chez vous tranquillement et faire le clapping. Alors, on n'a pas de batterie, mais je vais le faire à la bouche. Ça va faire POM 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 POM. Cheyenne Parker a particulièrement apprécié. Et oui, Cheyenne Parker qui se plaît sans doute bien à l'AT. Hein. Elle est voilà, devrait rester jusqu'au mois de février. Oui, excusez-moi, je me suis incrusté chez vous comme ça. J'espère en tout cas que chez vous, vous avez pu participer également à ce clapping sans cette belle victoire. 86-70 pour les Gazelles. On n'aurait pas mis un euro de signature sur ce résultat avant le match. Qu'est-ce qui a selon vous provoqué ce résultat? C'était quoi l'immense différence? Elles ont su appuyer sur les points faibles de l'ASVEL, qui était un peu diminué niveau intérieur, et puis elles ont retrouvé du collectif et de l'envie, et ça a fait toute la différence ce soir. Diandra, pendant que Gazou est là également avec nous, Diandra, ça fait plaisir
C'est ce qu'on appelle un match référence dans une saison. On va s'appuyer sur ce match pour pouvoir continuer à grandir et à vivre ensemble. Ouais, c'est une victoire qui fait du bien. Je ne vais pas répéter, mais on voulait commencer l'année de la meilleure des façons par rapport au début de saison qu'on a eu un peu mitigé. Du coup, ça fait plaisir. On est vraiment contente de remporter ce match à la maison ce soir face à Lyon. Et au-delà de la victoire même, c'est l'énergie qu'on a déployée. Vraiment, on n'a rien lâché pendant 40 minutes. Et il y a eu vraiment beaucoup de solidarité tout au long de ce match. C'est vraiment les attitudes, moi, qui m'ont fait plaisir, et on peut parler de match référence, ouais. On l'a vu, j'allais justement y venir, on a vu notamment ici sur le bord de terrain, Romy, j'aurais pas aimé lui demander quoi que ce soit à ce moment-là, parce que il y avait, qu'est-ce qui fait que toutes les filles avaient cette détermination là, dans le regard, dans les actes. Bon, on le voit également au nombre de fautes, vous avez été très très défensive. Qu'est-ce que vous vous êtes dit dans les vestiaires? On s'est dit qu'il fallait y aller, que voilà, ça fait quelques mois qu'on est en demi-teinte et on sait qu'on est capable de beaucoup mieux. Ce soir, je pense qu'on l'a montré. On avait à cœur de faire mieux et on a travaillé depuis la reprise. On n'a vraiment rien lâché à l'entraînement et on savait qu'on allait faire un gros match ce soir, parce que depuis deux semaines, et ben, ça envoie l'entraînement, on ne fait pas de cadeaux et on a retrouvé la même chose. On a été capable de rapporter ça sur le match en live, donc c'est bien pour la suite. Bon, en tout cas, c'est une capitaine heureuse. Et puis, vous allez avoir une nouvelle collègue de travail, en quelque sorte, qui va arriver début février. Meilleure rookie en WNBA. Ça va venir encore renforcer cette équipe-là. Qu'est-ce qu'on peut se souhaiter pour cette deuxième partie de saison? Je pense qu'on peut que souhaiter le meilleur. Prendre les matchs les uns après les autres. On va profiter ce soir. Profiter, c'est un grand mot, mais on va savourer. C'est 20h bientôt, hein, faites gaffe, c'est le couvre-feu. On va savourer, on va se reposer, on va préparer la prochaine étape. C'est Tarbes à la maison la semaine prochaine. On accueillera la nouvelle joueuse en février. Voilà, vous le voyez, je pense, le groupe vit bien. Donc voilà, on est content d'accueillir cette nouvelle joueuse en février. Merci en tout cas, Diandra, d'être venue nous faire partager cette joie. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. Même endroit, même victoire. Juste dire merci à tous les supporters qui sont derrière leur écran. Facile pour vous, c'est pas facile pour nous non plus. Vous nous manquez dans la salle. Merci à tous les partenaires, merci à toutes les personnes qui nous suivent et qui nous encouragent derrière leur écran. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. Tu as presque pouvoir prendre ma place. Voilà, je vous rappelle qu'il y a un très très bon podcast qui est réalisé par Diandra et qui met en avant des gens qui font des choses absolument exceptionnelles. Vous tapez ça sur Google, vous trouvez podcast Diandra Diachuang de façon très très facile. Dites-moi, quelle soirée nous avons vécue ce soir? On a vu, forcément un score qui nous fait plaisir, mais on a vu aussi du très très bon basket, du très haut niveau. Vous l'avez dit, je crois, Marie, durant cette retransmission, c'est là qu'on voit effectivement, malgré la situation, que nous avons quand même une ligue qui est une des meilleures en Europe. Oui, et une des plus équilibrées. C'est vrai qu'il y a des ligues européennes qui auront quelques bonnes équipes, mais là, c'est vraiment le championnat, à mon sens, qui est le plus relevé, où tout le monde peut battre tout le monde. Et aujourd'hui, on a vu des gazelles qui ont quand même rugi sur le terrain, et rugi de plaisir à la fin, et ça nous a fait vraiment chaud au cœur à tous. Alors effectivement, les gazelles ont mangé le lion et ont mangé les lionnes ce soir. Exercice difficile que j'adresse à tous les deux. Est-ce que l'on peut ressortir de ce match une MVP, une et une seule joueuse qui soit vraiment sorti du lot? Je sais que Gabriel, vous êtes l'homme des statistiques. Vous allez pouvoir nous trouver la stat qui va mettre tout le monde d'accord. Alors oui, bon, s'il y avait une MVP, on dirait que ça serait l'équipe, mais c'est facile de dire ça. mais c'est vrai que vous en sortir comme ça. Anne Salen, au niveau statistique, sort du lot tout de même. Elle marque 28 points ce soir. Elle prend 22 tirs, un gros volume de jeu. Elle est très présente au rebond. Elle intercepte 6 ballons, donc elle finit à 29 d'évaluation. Statistiquement, c'est elle qui ressort. Puis vraiment, elle a changé la donne dans le troisième quart-temps avec 15 points, comme on l'a dit plus tôt. Avec nous, et ça me fait extrêmement plaisir, merci beaucoup d'être venu, Ingrid Tanqueray, capitaine donc de l'ASVEL Basket. Avant de vous poser la première question, je vais saluer mes camarades supporters, les
le groupe des supporters de l'ASVEL, on est super content parce que d'habitude, ils nous mettent des confettis partout. C'est le seul point positif que vous ne soyez pas là, mais en tout cas, on vous embrasse et on pense très très fort à vous derrière votre écran. Qu'est-ce qui a manqué ce soir à l'ASVEL? Deux joueuses majeures, évidemment, mais c'est peut-être pas la seule explication. Non, je pense même sans ça, on aurait dû faire un meilleur match et on a été... On a été dépassés, je pense. On n'est pas tout allé dans le même sens. Il y a quelques joueuses qui se sont données, qui se sont battues et d'autres qui n'ont pas suivi. Donc je pense que premièrement, c'était l'engagement qu'on devait mettre dans ce match-là, parce qu'on sait que c'est toujours des confrontations qui sont compliquées. Donc voilà, je pense que la première chose, c'était ça. Le rôle de capitaine, il est important dans ces matchs-là, dans ces moments-là, lorsque le résultat n'est pas celui qu'on attend. Qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous avez peut-être déjà commencé à dire aux filles là, à cet instant? Je pense qu'après un match comme ça, tout le monde doit se remettre en question. Celles qui ont bien joué doivent continuer sur leur lancée. Celles qui ont moins bien joué doivent se remettre en question et puis repartir lundi à l'entraînement avec plus de conviction. Et ensuite, j'ai envie de dire que voilà, là, on arrive à enchaîner les matchs malgré la situation. On va jouer dès mercredi chez nous contre Villeneuve-d'Ascq. Donc voilà, ce sera l'occasion de pouvoir se racheter, de se rattraper et puis de gagner des points. Vous êtes ce que l'on va appeler une joueuse d'expérience. C'est une période particulière que nous vivons. Comment vous, à titre personnel, en tant que joueuse, vous traversez ces deux dernières saisons? Comment vous les vivez? Bah, c'est vrai que c'est particulier, c'est compliqué. Le fait qu'il n'y ait personne dans les salles, on a l'impression de jouer des matchs de pré-saison à chaque fois. Donc voilà, c'est pas évident. Il faut arriver à se mettre dedans et à se mettre dans le rythme. Mais là, on commence à pouvoir enchaîner les matchs. Donc c'est de bonne augure pour la suite. Nous, on a Villeneuve-d'Ascq et après, on va faire la bulle d'Euroleague. Donc faut rester concentré et savoir pourquoi on est là. C'est ce que j'allais dire. Bon parcours en tout cas en Eurocup. Bonne fin de saison à vous. Merci encore infiniment d'être venu nous voir. Après une défaite, c'est jamais vraiment évident. Donc, non, c'est comme ça. Merci infiniment. Il y a des victoires, il y a des défaites, donc faut faire. C'est le sport, merci exactement. Aussi. Merci beaucoup, Ingrid Tanqueray. Merci. Tanqueray. Au revoir. Je conserve ça et je vous laisse retrouver vos équipières dans le vestiaire. Nous sommes ici donc toujours dans ce palais des sports de l'AD. J'espère que vous y avez pris goût, en tout cas à cette retransmission. Nous, en tout cas, on a pris un vrai plaisir à commenter ce match. Également ici, Marie Vicente et Gabriel Panteljou. Est-ce qu'on peut retenir une chose? Comment on pourrait résumer ce match en une phrase à quelqu'un qui ne l'ait pas vu? Un nouveau début de saison. Ça serait le titre du journal de demain. Ouais. Gabriel, comment... Voilà. Un nouveau départ, c'est beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de fraîcheur ce soir. Ça y est, on sent que la saison est enfin lancée pour les Gazelles et on attend de voir la suite parce que ça promet. En tout cas, c'est sans doute l'effet d'avoir effectivement l'ensemble des joueuses. Nous en manque que deux sur l'effectif qui sont encore blessés. Et il nous l'a dit tout à l'heure au micro, le coach Thibaut nous en a parlé tout à l'heure. C'était la première fois qu'il passait 10 jours à l'entraînement avec la même équipe. Le résultat, en tout cas, on le voit ici. On vous donne rendez-vous. Gazou, viens me voir, Gazou. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle retransmission, évidemment, toujours ici en direct de l'AD. Je vous rappelle qu'en attendant, vous n'hésitez pas, vous continuez à nous envoyer vos messages sur communication@blma.fr. Viens, Gazou, viens. Voilà, il faut dire au revoir aux gens maintenant. Voilà, donc on va vous dire au revoir avec mon camarade Gazou. Faut vraiment que. Hey. Le réveillon, ça t'a... Ouais, moi aussi, ça m'a bien profité. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Marie, Gabriel, merci infiniment. Vous serez également là? Oui, bien sûr. Chouette, on manquera pas ça. On a hâte, en tout cas, passez une excellente soirée. Prenez soin de vous et à très bientôt.